Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau streaming. Vraie question, comment allez-vous? Et bah ce soir, on se retrouve pour la suite de Pokémon Xenoverse, et oui. Et j'ai juste mis un petit peu de temps à démarrer parce que je regardais des choses. Et je me suis posé la question, hyper random, est-ce que Pixel Axe existe encore? Non. Voilà, rien de plus à dire. Un serveur sur lequel... un serveur Pixelmon sur lequel j'avais pas mal joué en stream... il y a, je crois, il y a bien 3 ans déjà. Hein. Je crois que c'était les vacances d'été d'il y a 3 ans où j'avais démarré sur ce serveur. Mais bon. Et re-Arthur, re-bienvenue sur ce nouveau streaming. Bon, j'ai lancé un petit peu tard. Mais bon, c'est comme cela. Je n'y peux rien. C'est parce que j'ai mangé tard avec mes parents. Enfin bref, vraie question. Bien mangé, bien vu. Bien la peau du ventre tendue. Alors, la dernière fois, je viens de finir la quête d'Archon 2. Oh! Alors, est-ce que c'est bien? Sans spoil, évidemment. Moi, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai fini le 100% de Fontaine, je suis content. J'ai pu choper le... bah, je l'ai mis dans le Discord. Mais j'ai pu choper le 100% sur l'avant-dernière région où il me manquait le 100%. Alors que il me manquait pas mal de coffres à prendre, donc... j'étais en mode, écoute, moi ça m'arrange, je veux juste le 100%, je m'en fous du reste. Et derrière, heureusement, j'avais récupéré bien toutes les Hydroculus de la map, sauf une seule, mais qui est, je sais, disponible avec la quête de Anne Océanie qui est beaucoup trop longue. Donc j'évite. Mais du coup, le dernier sanctuaire que j'ai ouvert m'a permis, grâce à la clé que j'ai eue grâce aux Hydroculus... ce sanctuaire m'a permis d'obtenir le 100% de la forêt et donc le 100% de Fontaine. Incroyable histoire, surtout la cinématique de la deuxième partie de l'histoire. Eh bien écoute, je découvrirai tout ça en septembre et peut-être en octobre. Mais du coup, l'avantage pour moi, c'est que vu que j'ai fini le 100% de Fontaine là, ça veut dire que les prochains streams sur Genshin que je vais faire seront forcément sur l'histoire. Donc là, le prochain stream que je ferai, a priori, ça serait dans une dizaine de jours, soit samedi, soit dimanche, où je serai sur la quête de Dainsleif que je n'ai pas faite. Et après, à la fin de ce stream-là, je pense qu'on démarrera Natlan. Mais après, l'acte 1, l'acte 2, ça sera sur d'autres streams. Mais voilà, dans 10 jours, on se fait Dainsleif. Et on peut se dire, ouais, peut-être dans 2 semaines, on commence réellement Natlan au niveau de l'histoire. Voilà, parce que je serai probablement pas dispo à d'autres moments. D'ailleurs, j'y pense. Alors, je regarde mon emploi du temps. Alors, dans mon emploi du temps, bon, la semaine prochaine, ça va charbonner. Et après, c'est le jeudi 12 septembre, où j'ai cours le matin, de 9 à 13, et après, je suis en week-end. D'intégration normalement donc. Est-ce que le week-end d'intégration concerne toute l'école? J'espère, parce que ça veut dire que moi, je n'ai pas cours, mais a priori ça a l'air d'être le cas. Donc moi ça m'arrange. Putain, mais même la semaine qui suit. Putain, mais finalement, mes horaires ne sont pas si horribles. Après, c'est comme d'habitude, j'ai beaucoup de projets normalement. Oh non, mais mes horaires là, quand je regarde, j'ai l'impression elles sont... ouais. C'est suspect que mes horaires elles soient aussi tranquilles. Il y a vraiment juste la semaine prochaine où on fait du 9h-20h. Comment ça? Enfin bref. Je pense que demain je vais commencer les quêtes tribales. Quête d'histoire des tribus de Natlan. Ah, c'est ça la réputation tribale. C'est lié à ça. D'accord, parce que j'ai vu ça pour... c'est pour débloquer la... Kachini, là? Non, c'est Kinich. Comment elle s'appelle, la petite? J'ai pas retenu leur nom. Il y a Kinich, qui est le Sasuke. Évidemment, Mualani, que j'ai retenu, hein. Vu qu'elle est peut-être là. Mavuika. Mais bon. Kachina. Ouais, c'est ça. J'avais dit Kichina, je sais plus. Donc Kachina, ok. Bon, j'essaierai de la retenir. Elle est rigolote, hein. En vrai, en termes d'attaque, de gameplaying, elle est rigolote.
Bon alors, je dois aller au sud de la ville. Ah oui, je me souviens. Mais vu que je veux impérativement l'invoquer. Bah moi, maintenant, vu que je suis extrêmement bien en primogème, forcément, je vais invoquer. J'ai invoqué Venti. Alors, c'est le seul archon que je ne joue pas. Mais voilà, moi, je me... Moi, c'est ouf. Dans ma tête, c'est acté. Hein. Je vais prendre tous les... Attends, est-ce que c'est la même zone ou est-ce que c'en est une autre? Non, c'est toujours Westar City. Moi, dans ma tête, c'est acté. Je vais évidemment invoquer tous les archons. Mais là, plus on avance, plus les archons sont forts en vrai. Venti, c'était le moins bon. Surtout que Kazuha est un buff à Venti en soi. Zhongli, incroyable. Raiden, très cool. Même si pas nécessaire. Aujourd'hui, pas nécessaire. Naïda, bien. Furina, très bien. Donc Mavuika, on verra. Mais forcément, c'est... Enfin, juste au vu de sa tête. Moi, les persos féminins type adultes dans Genshin, pour moi, moi je les kiffe très souvent, ces personnages-là. Donc les personnages moyens, on va dire, c'est moins mon... Je les aime moins, quoi. Et les petits, bah... Les petits, voilà, quoi. Ça dépend. Kiki. Enfin bref. Bon allez, l'histoire. Tout est prêt? Oui madame. Très bien. QQ6, tu restes ici, tu surveilles le conducteur. Non pas qu'il puisse vraiment aller où que ce soit, vu comment on l'a attaché. C'est rigolo! Mais elle, on la voit beaucoup là dans le jeu, c'est bizarre. Tout se déroule selon le plan, grâce au hasard express, personne ne pourra nous arrêter. Nous arriverons au temple en un rien de temps. Rire. D'accord. Au secours! Je vais devoir les aider, probablement. What? Ah, la caméra. Allô, allô, allô? Je crois que je me suis déplacé alors que j'aurais pas dû. Garde, Westar! Oh. Ah, voilà. Au moins, c'est bien en cas de bug. Mais tu es clairement un dresseur, toi. Est-ce que j'affronte les dresseurs? Est-ce que j'ai envie d'affronter les dresseurs? Je suis tellement fort. En vrai... De vrai, je vais esquiver le plus de dresseurs possible. Parce que là, en termes de level, je suis trop haut. Vu que j'ai arrêté le Nuzlocke sur le jeu, je suis devenu trop puissant. Ah, Chuseichu, le sauveur! Morsure! Ah! 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 Je suis Dival. Ah! Ah! Pense, ouais. Lumi éclat, qui prince! C'est bien Lumière Éclat, non? Moi j'aime bien de pouvoir confure les gens. Allez. J'ai pas vu Cacturne. Cacturne, on s'en fout de Cacturne. Dracogriffe Cacturne. Baf. Coup critique. Incroyable. Mais ouais, Mavuika, chara-design incroyable. Lunettes de soleil en plus. Moi j'aime beaucoup les lunettes de soleil quand les personnages en ont. Si j'aime bien Robin dans One Piece, c'est juste parce qu'elle a des lunettes. Évidemment. Ah là, on n'est plus trop dans une zone spectre. Avant, il n'y avait que des types spectres. Ok, ça va, il y avait un seul dresseur. Peut-être ici, il y en a un aussi. Juste dans les deux actes, elle est incroyable. Eh ben écoute, je verrai bien. Cette zone est interdite, tu es l'humain dont parlait le colonel. Expert bidé. Mais non, c'est pas moi. C'est faux. Allez, c'est parti pour la musique Undertale. Mais n'empêche, avec ce jeu, j'ai vraiment l'impression de jouer à un vrai jeu Pokémon. C'est rigolo. Eh ben écoute... Morsure. Paf. Et ici... Alors, Sharpedo, il risque d'être très mal. Donc, en vrai, je vais peut-être focus d'abord le Décéliande. J'ai peur que Décéliande il me one shot. Eh ben écoute. Putain, encore un crit, mais c'est fou. J'ai pas vu ce qu'il m'a fait. Bon. Dracogriffe. Mais en plus, la doubleuse de Mavuika, c'est une doubleuse que j'aime beaucoup. Les japonaises, évidemment. Donc moi, j'aime bien. Il a mis 3 crits de suite, tu sais, Chu. Attends, avec son objet, il a quoi? Une chance sur 10, normalement?
Anti-soin, non. Putain, j'aime vraiment pas le design de ma mère. Hein, ouais. Je l'ai prise parce que son double type, mais vraiment... Côte aux gardes, qui ça? Ouh. Pour Sora, ça peut être vraiment bien. Allez, à la place de Hatt. En vrai, côte aux gardes, ça peut vraiment être bien. Je suis plus en Nosedog, donc c'est pas si grave. Mais bon. Bon, je vais finir mes résines et je reviens sur HSR et Genshin. Eh bien, écoute, bon farm de je ne sais pas quoi. Au secours! Un humain. Ah, d'accord. C'est rigolo, leur logo, c'est le logo de YouTube ou quoi? Ah ouais, mais quand tu regardes le level d'avance que j'ai... Ouais, je vais vraiment tout faire pour esquiver les Pokémon sauvages et des dresseurs. Waouh! Ok, c'est my bad, je pensais pas qu'il tankerait d'autant. Bah écoute, envoyons Croc-Mou. Ah non, mais Croc-Mou, il est level 46! Ah non, mais là... Lance flamme! Baf! Incroyable. Magneton est KO. Lampérois. Eh ben écoute. Oh, mais je suis un malade, c'est un type électrique. C'est vrai que le type son, c'est de la merde. Ok, ça va. Après, Croc-Mou est tellement puissant que. Et oui, le type électrique qui est super efficace contre le type son, qui est l'un de... Enfin, qui est le deuxième type de mon starter de type feu. Zamé 44, Sora 36. Sora qui évolue 40, vu que c'est un Ponyta. Intrus détecté, informez le colonel. Voulez-vous détacher le conducteur? Oui. À toute ma gratitude, gamin, je suis le capitaine du Quasar Express. Ou plutôt je l'étais, avant l'arrivée de ces hommes masqués, cette femme. Elle est peut-être charmante, mais c'est une vraie sorcière. Elle a ordonné à ses sous-fifres de m'attacher pour qu'elle puisse prendre le contrôle de mon train. Pourtant, elle n'était pas seule avec ses soldats. Il y avait un homme avec elle, un homme dont le regard m'a glacé le sang dans mes veines. D'après la façon dont il parlait, je suppose que son rang était plus élevé que celui de cette femme. Le Quasar Express est un morceau de l'histoire de notre région. Nous ne pouvons pas le laisser tomber entre de mauvaises mains. Je le demande désespérément, petit. Libère ce train des crocs du mal. Je ferai ce que je peux depuis la gare. En surveillant l'itinéraire suivi par le train. Tu devrais agir en te faufilant discrètement. Vas-y, jeune homme, je crois en toi. D'accord. Bonjour. Bazod. Bon, j'imagine ça, c'est pour du post-game ou par la suite, peut-être. Est-ce que j'ai des objets de soins? Ah oui, c'est pour faire évoluer des Pokémon. Ah la parfait, voilà la Pokémon. C'est quoi ça? Ah oui. Spouet. C'est vrai que j'ai toujours ma Master Ball. Ouais, niveau Ball, ça devrait aller, hein, je pense. Ouais, j'en ai 20. De toute façon, la proba pour que je tombe sur des Pokés qui m'intéressent. Parce que du coup, c'est ce que j'avais dit. Je capture que les premiers Pokémon que je rencontre dans chaque zone. Mais. Et les Pokémon X, eux, je m'autorise à les capturer quand je veux, dès que j'en croise un. Comme Sora, par exemple. Quasar Express. Oh putain. Bon, lui, on va lui donner la voix. Ah bah ouais. Hé, Luna, t'en vas. Oh Dieu, merci. J'ai réussi à sauter dans le train avant qu'il ne parte. Lorsque j'ai appris que le Quasar Express avait été détourné, j'ai immédiatement couru jusqu'ici. Sans réfléchir, j'ai été sûr que je te retrouverais ici, n'est-ce pas, Pikachu? Pika! Putain, il est vraiment pas beau, ce Pikachu. Ne perdons pas plus de temps. Nous devons faire quelque chose avec ces beaux et criminels de tente de mettre en œuvre l'un de leurs plans habituels. D'accord. Et du coup, tu m'empêches juste de partir? C'est rigolo que ça bouge comme ça. Bah écoute, on va regarder un peu partout. Hein. Bon, j'imagine que ça va spammer les combats. Évitons de parler aux gens. La porte est fermée à clé. Moi j'adore quand on voit rien. C'est faux. Bon alors. Ah merde. Ah donc ça veut dire qu'il fallait vraiment que j'interagisse avec ce bonhomme. Ah ouais. C'est la seule chose à faire, je n'ai donc pas le choix. Je te défie.
Je m'aime plus. J'ai combien de badges dans le jeu? Je crois que j'en ai que 4. Bon, a priori, ce soir, on aura une session normale de stream, c'est-à-dire mini 2h30, ou dans les alentours. Putain, mais hey, vous commencez à me faire chier, là, avec vos magnétons, là, et vos Pokémon électriques. J'ai vraiment pris le pire starter, genre, c'est chiant. Genre, j'affronte des types électriques tout le temps dans le jeu. Le son est fort, si je baisse à 1. Ouais, ça me paraît pas mal. Lance, flamme. Il a fermeté, je l'ai brûlé. Étincelle, oh non. Ah, c'est tout. Ah, mais oui. Ah mais je suis pas fou, ça vient d'une vraie musique. Bon, finalement j'ai remonté le son. C'est quoi, c'est les Daft Punk? Qui l'a fait? Il semble qu'il ne soit pas actif. Il a quoi, il a ouvert la porte? Nyahaha. Wow, c'est une garde étroite hein. Luna, peut-être aurions-nous plus de chance si nous nous séparions, tu ne crois pas? À plus tard! D'accord. Alors je suis comment, moi, niveau vie? Ouais, bon, ça devrait aller. Bon, on va esquiver un max de dresseurs, hein. Ouais. Tant pis les objets. Après, si ça se trouve, imagine, je trouve des restes. Je pense que les dresseurs que je peux esquiver, je les esquive. Mais s'ils me mènent à un objet... Blingrudge, alors c'est sûr que c'est l'évolution du truc métallique là. Le truc métallique qui était blanc et bleu je crois. Qui était moche. Et qui avait Bling aussi dans son nom. Ouais, c'est un type acier et je connais pas son autre type. Il a fait tomber l'anneau Xenoverse. Est-ce que c'est si grave que ça? Putain, il est pas rassurant ce poké. Non mais évidemment j'ai beaucoup critiqué Xenoverse sur sa difficulté absurde des boss. Et mis à part ça évidemment le jeu en vrai pourrait être un... Je pense en vrai le jeu est comparable totalement à Noir et Blanc vu qu'il a les mêmes graphismes en soi. Bah ouais. Les combats, c'est exactement les... Putain, non, mais encore un... Ouais, il y a que des types acier, en fait. Hein. Ah, il tank. Charge. Ouf. Putain, c'est quand j'étais en vacances, là, bah, il y a 2 semaines. Je jouais à Pokémon Go tout le temps, vu qu'on faisait que marcher, que bouger. Oh, danse draco. Oui. Je pense que je vais me débarrasser de Vivatak, hein. Jet sable. Ça peut sauver. Vivatak, moins. Les probas sont plus faibles que ce soit utile. Non mais lui, je vais lui laisser son objet qui augmente les taux de crit, hein. Il en fait tellement souvent. Il est apeuré. Bien sûr. Il est apeuré. Ça va? 2 apeurés de suite avec juste avant un crit? Non mais Q-Sei-Chu, c'est un gros axeur. En fait, j'aurais dû l'appeler tricheur en japonais. Grande perle. Ouais, je sais pas si j'ai besoin d'argent. Mais oui, je pense que le jeu, en termes de, on va dire, de scénario et tout, je pense que le jeu est vraiment comparable à un Noir et Blanc. Carbone. Alors, ça aurait été génial si j'avais pas mon starter. Vous ne pouvez pas avoir d'objet par hasard. Bon, comme d'hab, on évite de parler aux gens. J'imagine que lui, faudra lui parler. La porte est fermée à clé. En soyeur. Voyons voir, qu'avons-nous ici? Tu ne vois pas que je suis occupé avec mon mec hors de ma vue. C'est rigolo, ça. Alors, est-ce que c'est un combat double? Ah, il a quand même le skin. Rigolo. Oh. Ah. Si j'avais pris un personnage masculin principal, je n'aurais pas eu ma mère, mais j'aurais eu ce truc-là en face.
putain, il est cool. En vrai, il y a vraiment des designs trop cool. Hein. Mais même Croque-Mou, hein, son design, il est vraiment sympa en vrai. Mais bon. Je suis vraiment pas trop fan de ses formes, quoi. Voilà. Après, j'avais vu dans le wiki, je pensais que c'était une espèce de méga évolution. Je pensais qu'il évoluait deux fois et qu'après, il avait une espèce de méga, mais non, en fait, c'est juste qu'il change de forme. Ah, alors, est-ce que je dois... J'imagine que la porte est fermée à clé. Bon, soit c'est un sbire qui nous donne, soit c'est caché quelque part. Ah bah dans cette poubelle. Ah bah non. Et pas dans celle-là. Bon bah on va devoir se taper tous les combats. C'est chiant. Fais chier. Moi j'avais pas envie de me taper les combats. Mais bon. Ouais, faut que je mette Croque-Mou en premier. Hein. On va affronter que des types aciers. Ce qui fait chier, c'est que les types aciers sont très souvent électriques également. Ah, c'est quoi? Deathspe. Quel est le plus puissant? Oh, c'est morsure. Hein. Même avec le stab, vu que c'est pas très efficace, dragon. Ah, quel bonheur d'apeuré. Mais quel bonheur d'apeurer. Ah, mais tant que ça, j'aime bien. Parce que c'est un type psy et il est pas... Il n'a pas fermeté. Alors le truc que je voulais dire avec les terrals, oui. Bah il y a deux semaines, il y a une journée communautaire sur Pokémon Go pour avoir des terrals. J'ai eu 6 shiny. Est-ce que c'est bon? Moi je suis content. Donc voilà, bah ça en fera des shiny pour Pokémon Go, quoi. J'ai oublié le nom. Mais je me comprends. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Tu sais, je pourrais peut-être cracher du feu si je mangeais les graines de piment. Ou j'en récupère une sur le Scoville du colonel. Le Scoville? Scoville? Non. Putain, c'est rigolo parce que Pokémon Xenoverse, ça veut dire qu'il a prédit Scoville. Ah, Persage, bah on le connaît lui. Alors, est-ce que c'est un Pokémon X? Je sais pas. Vu que c'est une évolution, c'est pas un Persian X? Je crois que c'est juste. Non, Miaouss, il a une forme dans cette région. Alors, vu qu'il avait un Pokémon, peut-être X. Non. J'ai appuyé sur le bouton. Ah oui, donc c'est bien ça. Allez bien le battre lui. Je suis comment en vie? Ouais, c'est un petit peu compliqué. Peut-être se soigner un chouïa. Voilà, un coup, c'est suffisant. Bon là, j'imagine que c'est ouvre la bonne porte. Ah non, bon ça va. Allez, toujours à droite, jamais à gauche évidemment. Bonjour. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Hé hey, l'humain, tu as trouvé le bon robot, j'ai la clé d'accès. Je vais te le donner mais seulement si tu trouves la solution à mon énigme. D'accord. Oula. La bonne réponse c'était pas de réponse. C'est rigolo. Est-ce que c'était que des 1 et des 0 random? Je ne le sais pas. Dans un jeu Pokémon, ça aurait pas été random, je pense. Mais là, il y a moyen de se tuer. Bon, vous commencez à me les briser, là, avec vos Pokémon électriques et acier, là. Qui dit électrique dit que Kyusei-Chu n'est pas très apte à les affronter. Qui dit type électrique dit Croque-Mou ne peut pas les affronter. Allez, sauveur, paralyse-le-moi. Ah. Oh. Allez, s'il vous plaît, un petit peu psy pour après. Alors, c'est qui? Sora 39. Oh, Sora, il évolue après. Megavolt. Ah, je peux rester. En espérant le dépasser. Oui, parce que j'ai fait une danse drago. Kyusei-Chu, Draco Grip. Baf. Ah, Megavolt, tu es KO, car j'ai décidé de te battre avec Draco Grip. Les pas de clé
Du pitch knock. Ah bon. On est un enfant dans le jeu, et une fille plus précisément. Les gens se trompent. Je ne vois pas ce qui leur fait dire que je suis un homme dans le jeu. Peut-être que la traduction n'a pas prévu qu'on choisisse mâle ou femelle. Enfin, mâle ou femelle. Tu es le dresseur qui met tout le monde sur les récits, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, nous les scientifiques sommes très mauvais en combat Pokémon. Mais nous avons des énigmes pour vous, les intrus. Alors, es-tu prêt pour ma question? Oui. Avant même la création de la Team Dimension, qui suivait les enseignements de Victor? Aster. Une dingue de bonne réponse. Sans ses enseignements, Aster ne serait peut-être pas là où il en est aujourd'hui. Comme je l'avais promis, tu veux maintenant entrer dans une autre salle du wagon. Putain, j'ai une chance sur quatre. Je sais pas, dans les tas, dans le tas, aucun nom me disait quelque chose, sauf Aster. Ah. Et du coup, il m'a déplacé. Qui m'a fait? Ah, mais premier degré? Dans une autre salle du wagon? Oh putain, c'est des salles, ça. À moins que je me fasse attaquer à la sortie. Je sais que je ne suis pas censé aider les intrus, mais j'ai aussi un code d'honneur à respecter. Si t'as besoin de repos, utilise celui là-bas. Oh, ça veut dire que j'ai utilisé des objets de soins pour rien? Ah bon? Bon, la suite est là, j'imagine. Il y a un interrupteur. Oui. Et toi, tu me dis ce qu'elle m'a dit? Classe de la plus basse à la plus haute, les rangs au sein de la Team Dimension. Montagnard, sérieux? Moi, je dirais sbire. Colonel ou général? Ah, les scientifiques en font partie? Ah oui. Oh. Colonel, général. Je peux entrer dans la chambre de Cooper. Il est vraiment chelou. Et après, elle a dit quoi? Cooper est vraiment chelou. Un oui et un non pour lui et vice versa. Un oui est un non. Ah, d'accord. Bonjour, Cooper! Le colonel est une femme parfaitement charmante, une véritable déesse. Si je ne me trompe pas, tu es ici pour déverrouiller l'accès au wagon suivant, n'est-ce pas? Si c'est le cas, tu devrais répondre correctement avant qu'ils aient entièrement accès sur le colonel. Es-tu prêt? Non. Commençons par la première question. Alors dis-moi, quelle est sa boisson préférée? Le Toco-Cola. Le Frappou Quintino. Le lait écrémeux. Le thé mentalerme. Allez, le frappotto. Très bien, question suivante. Quelle est cette chanson qu'elle aime tant? Purple Masquerade. Let it be drill. Let it be drill. Master of the Shuppet. Ah, j'ai pas le ref. Gimme Shelter. Bah, ces deux-là, je les aime et... Bah, c'est Purple Rain et Let it be, tout simplement. Ah ouais, je les ai pas, ceux-là. Master of the Shuppet. Ah. Tu vas dire quel est son Pokémon le plus fort? Alors là, aucune idée. Je me souviens pas. Bah, Scoville, ils ont dit tout à l'heure. Mais es-tu vraiment sûr que toutes tes réponses étaient correctes? Non. Bravo, tu n'es pas tombé dans mon piège. Hein, tu m'as là comme toi, mais vraiment que je l'aide à aller de l'avant. Eh bah, putain, j'ai eu de la chance. À part le Scoville que j'ai pu réellement avoir. Alors, est-ce que ça m'a débloqué cette salle? Ok. Vous avez trouvé un élixir max? Super, je suis vraiment content d'avoir eu un élixir max. Merde. Et bah, salle suivante, je suis full vie en plus. Ouais, ça commence à me faire chier. Oh, évidemment, là, je tombe sur un type électrique pas acier. Bon, après, je t'avoue que en chouette ne me fait pas peur.
Lance-flamme. Boum. Il est mort. Je l'aime bien en chouette. Par contre, c'est deux évo moins. En fait, au massacre, je le trouvais sympatoche en 2D pixel art. Puis j'ai découvert la 3D et de quel animal il était inspiré. La lamproie, mais vraiment, mais c'est un animal des enfers, genre vraiment. C'est horrible. Hein. Genre, c'est l'un des animaux les plus horribles que je puisse connaître. Après, il y a des animaux marins, évidemment, qui... Mais bon, c'est des animaux marins des abysses, souvent. Mais non. Mais non. Pouette, 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 pouette. Mais quelle beauté. C'est ça qu'il aurait dû ressembler, Galopade de Galar. Après, j'adore Galopade de Galar. Mais quand même. Bah, trop bien. Il va prendre coup de jus. Oh putain, mais oui, il a chopé le type électrique, c'est vrai. Eh bien, je vais te le donner à la place de rebond. Parce que tu as déjà une attaque, Paul. Nyaha. Moi, je l'aime bien, ce galopin, je le trouve beau. Spouette, pouette, pouette, pouette. Eh ben, nickel. Donc, ça veut dire que galopin, théoriquement, je peux le jouer maintenant. Alors, Sora. Ah non, il chope son type électrique avec sa deuxième forme. Le Pokémon change son type en type électrique quand ses PV tombent à la moitié. Ah mais il est moins bon en attaque spé ? C'est con ça. Ah ! En haut, c'est le professeur de la région. Et notre rival avec son Pikachu ! Mais regarde Croque-Mou, il a 10 niveaux de plus. 12. Je crois que son métanque était 38. Ah oui. Alectek, évidemment. Est-ce que je me sens menacé? Est-ce que je me sens menacé? Si je ne one-shot pas, évidemment. Mais le problème, c'est que Croque-Mou est très puissant. Et en plus, c'est mon Pokémon le plus puissant. Donc voilà, je parlais de ce truc-là, là. Ah ouais, lui il est moche, son évo est cool, hein. Mais lui il est moche. J'ai toujours pas fait ma tier list de Pal World. Champion. Ah, c'est que j'ai fait un certain nombre de combats. C'en est fini de toi, tas de ferraille. Buzzod, mais non. Oh, ah Luna, te voilà. Oh, qui? Serkanxaki Noblesse. Bonsoir à toi, bienvenue sur ce streaming. Ton pseudo est dur à lire. Enfin bref, vraie question. Comment vas-tu? Mais attends Luna, t'es là toi aussi? Je vois, donc vous êtes aussi au courant du dernier plan d'Active Dimension. Qui sait ce qu'il prépare? Bien, je suppose qu'ils n'ont pas eu de chance cette fois. Ils sont contre 3 d'entre nous. Enfin Luna, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu en action. Montre-moi tes progrès. Comme tu voudras. Mais pourquoi c'est moi qui l'affronte? Oui, bonjour. Bonsoir à toi. Que bonjour, c'est dans 40 minutes. Voilà, si tu connais pas Pokémon Xenoverse, fan game. Ou vrai fan game pour le coup. À l'esthétique de combat de noir et blanc. Donc c'est forcément bien. Ouais, mais il est trop puissant mon starter. Ouais, depuis qu'il a changé de forme, il est devenu beaucoup trop puissant pour le jeu. Il n'y a plus de challenge. Parce qu'à savoir, avant j'étais en Nuzlocke, mais il était tellement difficile que j'ai pas pu continuer en fait. Ah, enfin un truc qui a pas tanké. Enfin qui tanque, pardon. Ça change. Mais bon, est-ce que ça change réellement quelque chose? Moi, j'imagine derrière on a le boss. Ferait mieux de courir. Bon, Luna, je vois que cette aventure à travers Aldi ou a fait de toi un dresseur à part entière. J'espère vraiment que nous pourrons mesurer nos forces un jour. Oh non, c'est lui le champion de la région. Je suis totalement d'accord. Ah, je suis totalement. Ah oui, totalement. Écrit comme ça. Je suis totalement d'accord avec toi, Aster. Et toi, Pikachu. Putain. Papa, le requin.
Pas le temps pour les réjouissances des enfants. On ne sait ce que nous réserve le prochain wagon. Mais j'ai un très mauvais pressentiment. Mes Pokémon sont terrifiés par une sorte de puissante aura. Luna, on est sur le point de découvrir le coupable derrière la disparition de ton père. Prends le temps qu'il te faut et rejoins-moi à l'intérieur. Ah, on va affronter son... le boss de la team, peut-être. Allez, Luna, on peut se sortir ensemble. Je passe devant Eleaster. D'accord, moi, avant, ça. Un point chance. Ça sert à quoi? C'est pour augmenter le taux de crit? Est-ce que je prends Kyuseichu? Est-ce que je prends Croc-Mou? Moi, j'ai envie de jouer Sora un petit peu, mais Sora, il est pas très très puissant. Ah bah oui, quand tu regardes les stats... Oh. Ah ouais, mais les stats de Croc-Mou, il a... Non mais attends, mais c'est ridicule les stats de Croc-Mou. Ouais, Sora, il est pas très fort. Hein. J'avais vu ses stats, hein, elles sont pas... C'est des stats de Galopa, quoi, donc le Poké n'est pas fort. Et moi, je le trouve cool. Moi, je l'aime bien. Là, dans la team, eux deux, je m'en débarrasserai. D'abord, ma mère... vraiment pas beau le Pokémon, mais il est fort en vrai. Enfin, il est fort, il a pas l'attaque spéciale de Croc-Mou, mais ça me fait un fait psy et c'est un bon type quoi. Fait psy, fait spectre, pardon. Et après, il y a Prince qui est psy pur. Ouais, Croc-Mou, hein. Sont si on affronte des types électriques et acier, êtes-vous prêt? Oui, et ben c'est parti. Ah. Oh, ils ont enfermé le ectoplasma X-Dragon. Alors, Luna, que pour... Comment on peut lui donner... Ah bah, je vais lui donner une voix bien grave. Allez, alors, Luna, que penses-tu de ma mélodie? Oh, il a du charisme. Qu'est-ce qui ne va pas, jeune homme? Alors, je ne vois pas ce qui vous fait dire que je suis un homme. Tu as donné ta langue au Miaouss? Victor, maudit sois-tu! Ah, gros. Je vois, tu n'es pas à court de surprise. On dirait que le petit Aster est venu nous rendre visite aussi. Ah, c'est lui, Aster. Mais ce qui me surprend le plus, c'est de voir la fille de Versil ici. Quelle belle réunion de famille. Et que faites-vous ici sur le Quasar Express? Vous devriez savoir que c'est l'un des trésors de la région. Tu as tout à fait raison, cher Aster, mais vous savez, il y a des choses plus importantes qu'une broutille comme celle-ci. J'avais besoin qu'on m'emmène à Dorado Village, et la vitesse de ce train était exactement ce qu'il me fallait. Vous voyez, il y a quelque chose là-bas qui a piqué mon intérêt. Bien sûr, c'est grâce aux recherches de ce bon vieux Versil que cette information est parvenue jusqu'à mes oreilles. Et ce n'est pas tout. Mettre la main sur un spécimen X comme cet ectoplasma a été un parfait bonus pour mes plans. Je dois dire que Dame Fortune est de mon côté maintenant plus que jamais. Ce que je vous demande maintenant, c'est de bien vouloir partir et de cesser de nous gêner. Car j'ai encore besoin de l'aide de Versil. Un petit point. Attends, il regarde qui là? Il regarde moi ou il regarde l'autre? Hey! Hé hey Luna, reste calme, il essaye de te jouer des tours. Ne tombe pas dans le piège où tu vas succomber à l'énergique Xenoverse. Ne te laisse pas faire, s'il te plaît. Luna! Quel spectacle à voir, Luna! Je parie que ça te démange de m'en coller une, n'est-ce pas? Eh bien qu'il en soit ainsi, en garde, Tyranocif, c'est à ton tour. Un Tyranocif normal, là. Ah, c'est le Tyranocif qui a tué papa! Il me semble au tout début du jeu hein, qu'on était face à... Oh, la miniature. Ah, et attends, est-ce que notre propre personnage va succomber à l'énergie X? Ah oui. C'est rigolo ça. Luna, qu'est-ce qu'il t'arrive? L'énergie est débordante, mais elle est complètement corrompue par la haine, c'est mauvais. Luna, calme-toi, je t'en prie. Je lui donne exactement ce qu'il veut. Tu penses que cette simple esquisse de pouvoir suffira à me défaire, petite? Tu as encore beaucoup à apprendre. Maintenant que je le vois de mes propres yeux, je ne peux m'empêcher de croire les paroles de Trey. Bon sang, c'est mal parti. Même Shulong a été englouti par les ténèbres de l'énergie Xenoverse.
Luna, stop, tu vas faire exploser le Boum! Ça ne peut pas se terminer comme ça. Suicune méga. Ah bon? Méga Suicune. Ah bon? Oh, quel désordre, les gars, ça va. Heureusement pour nous, oui, merci de nous avoir sauvés, Astaire. N'en parle pas, c'est tellement que je puisse faire, Kay. Luna, comment te sens-tu maintenant? Sembre rebre ancora influenzata da quel oscuro potere. Où est passé ce Victor? A-t-il réussi à s'enfuir avant l'explosion? Un gros gros. Pas content. Mais qu'est-ce que tu crois faire, Victor? Qu'est-ce qui se passe ici, Roger? Ah, c'est les robots A et B encore, là. Putain, mais on les a vus tellement, là. Eh, mon frère, je pense que ce désordre est de leur faire, Roger. Mb. Oui, mon frère. Maintes fois, dois-je te répéter ce que c'est moi qui parle en premier? Désolé. Revenons à nos moutons. Mb, je pense que ce désordre est de leur faire, Roger. Mais mon frère, c'est exactement ce que j'ai déjà dit. Mais tu vas te faire taire avant une fois, espèce de boîte en conserve. Je suis de celui qui décide ici. Je préférais ne pas vous interrompre dans un moment aussi crucial que celui-ci, mais... qui êtes-vous censés être tous les deux? Encore un qui n'a pas la moindre idée de qui nous sommes. Mon cœur de robot a été brisé une fois de plus, Roger. Il s'agit de fauteurs de troubles appelés A et B. Des sergents de la team d'émotion qui envahit le campus il y a quelque temps. Eh bien, il semblerait que quelqu'un ici se souvienne de nos visages. Où veux-tu l'autographe, gamin Roger? T'aurais pas demandé, merci beaucoup. Earth.exe a cessé de fonctionner. C'est rigolo, ça? Assez, bande de clowns, qu'attendez-vous de nous? Voyez, vos manigances vont nous coûter notre travail, Pélion, et vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que moi et mon partenaire allons manquer à la présentation de la dernière chanson de notre idole. Et qui va supporter les plaintes de Cribaby? Et moi, bien sûr, Roger. En réalité... Un gros groupe, pas content. Luna, je sais que je ne devrais pas te donner ce genre d'idée. Mais tu penses que suivre Victor est la bonne chose à faire, alors vas-y. Laisse Kay et moi nous occuper de ces clowns, ne t'inquiète pas. Ce serait avec plaisir, Aster, mais s'il te plaît, Luna, sois près d'un. D'accord. Je suis Dark Luna. Est-ce que ici aussi je suis Dark Luna? Non. Ah. Et du coup, toi, tu es en vie? Eh bien. Là, je peux monter. Eh bien, je crois que je n'ai pas le choix. Et après, on va se battre sur le train. Merde. Évidemment. Luna, j'étais sûr que tu me rejoindrais. Et si tu peux enfin me défier au maximum de tes forces, tu ne penses pas? J'imagine que c'est la fille qui parle. Mon général, je suis là pour vous. Oh, quelle surprise, colonel. Nous étions sur le point de commencer le combat. Oh, mon général, pourquoi gaspillez-vous... Pardon. Pourquoi gaspillez votre précieuse énergie sur du menu fretin comme celui-ci? Moi, au contraire, j'ai encore une affaire à régler avec cette petite peste. On dirait que c'est le moment d'enfin régler nos comptes. Si vous insistez vraiment, colonel, mon but est simplement de tester ses capacités. Laissez-moi faire, mon général, ce sera du gâteau d'écraser cette vermine. Allez, viens à moi. Alors, est-ce qu'on va réellement l'affronter l'autre derrière? Première fois qu'on l'affronte elle, je crois. Ouais, on est vraiment dark. Lance-flamme! Combien? 42? Ouais, bah ouais. Ouais, mais le problème, c'est que si j'ai croque-mou en first... Apyrène. Ah, donc elle a que des types... Elle a que des types poison et insectes. Bah, Choco, elle limite les dégâts. Oh. Ah, putain. Je ne pensais pas qu'il t'en crève. Mais bon, après... C'est croque-mou, quoi. Croque-mou, c'est difficile de le toucher. Hein. Si t'es pas super efficace, tu lui fais pas grand-chose. Alors, Scoville plante... Oh, il est plus cool. Il est clairement plus cool que celui qu'on connaît. Hot chili paper! Oh, je le trouve carrément plus cool. Ceinture force. Ah, c'est pas cool ça. Ah, oh, j'ai plus de lance-flamme? Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait?
Il m'a fait une attaque dragon, je crois. Ouais, vu l'animation, ça devait être Dracosouf. Oh, Kizame à quoi brèche? En vrai. Ah, mais il a déjà cascade. Ouais. Aussi baisser la défense. Ouais, mais non, mais cascade, ça peut apeurer. C'est plus intéressant d'apeurer. Non, je ne peux pas perdre devant lui. Oh merde, c'est si embarrassant. Perdre juste devant vous, mon général. Colonel, hors de mon chemin, vous n'êtes qu'une gêne. Bien que dire, tu es plutôt doué, Luna. Mais pas assez pour vraiment faire la différence. Il a méga insecte ou est-ce qu'il c'est X-insecte? Tu vois, ce B-Tyrannosif a été soumis à de nombreuses expériences par les scientifiques les plus qualifiés. Je pensais vraiment être la seule à avoir l'énergie Xenomers entre les mains. La science peut tout faire. Laisse-moi te faire une brève démonstration de l'immense pouvoir libéré par le gène X. Au revoir, Luna. Ah, du coup, on va juste affronter le Tyrannosif? Ou c'était juste pour nous montrer le pouvoir? Ah. Et là, on est avec Ectoplasma en mode « Ah, gros, je suis énervé. » Ah non, mais là, c'est le vrai nous. C'est le nous, pas X. C'est le pas d'arc nous. Je peux me déplacer, j'imagine, vu que là, il se passe rien. J'ai comme l'impression que je ne peux qu'avancer. Alter. Et ainsi nous nous retrouvons face à face. Tu dois te demander de quel genre d'endroit il s'agit, n'est-ce pas? Eh bien vois-tu, c'est une dimension intermédiaire qui n'est accessible qu'aux détenteurs d'énergie. On pourrait le définir comme de véritables limbes. Ne gâche pas ton souffle, Luna, je sais déjà tout à propos de ce type Victor. Après tout, depuis que tu m'as pris mon énergie X, je fais partie de toi comme si j'étais ton ombre. Détends-toi, cet homme ne pourra en aucun cas entrer dans sa dimension, s'il a tenté de reproduire l'énergie Xenoverse avec de misérables expériences. Pourtant, ses propos n'étaient pas tirés par les cheveux, bien au contraire. Il est indéniable que tu n'as aucune chance de le vaincre pour le moment, sauf si tu t'abandonnes totalement à ma volonté. Dans ce cas, tu as peut-être une chance. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention de te défier. Même si je prends possession de ton corps, je n'aurai aucun espoir face à ce Victor. Tu tiens tellement à le défier, pourquoi ne pas t'entraîner spécialement pour ça? Ainsi, une fois face à lui, ta haine bouillonnante me libérera. Et je pourrai exploiter ton nouveau potentiel. Allez, fais pas cette tête, Luna. Tu devrais savoir que dans ce monde, les faibles sont balayés, tandis que ceux qui ne montrent aucune pitié sont destinés à devenir invincibles. Eh bien, il semble que notre temps ici soit écoulé. Cette attaque m'a vidé de toute énergie. Donc mon influence sur toi disparaît, mais rappelle-toi. Toutes tes tentatives pour contrer Tain sont futiles. Ce ne sera pas notre dernière rencontre. À la prochaine, Luna. D'accord. Au revoir, moi-même. À ce petit con d'ectoplasma qui est à l'origine de mes... d'un grand énervement que j'ai eu dans ce jeu. Hors de question que je le prenne dans ma team. Hey Luna, réveille-toi, s'il te plaît. Ne t'en fais pas, c'est fini maintenant. Hey, oh Dieu merci, tu es réveillé maintenant. J'étais tellement inquiète pour toi. J'étais tellement inquiète. Je suis heureux de voir que tu vas bien. Il semble qu'elle ne soit plus sous l'effet de l'énergie Xenoverse, mais qui lui est-il arrivé sur le toit du train? Comme je le pensais, tes souvenirs sont flous. Alors que nous nous occupions de ces débiles, il y a eu une énorme explosion. Et nous nous sommes retrouvés ici. Sans savoir pourquoi, naturellement, Victor et ses hommes ont disparu. Oh, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu dis? Cette détonation a été causée par ces Pokémon? J'aurais cru que Victor serait capable de générer un pouvoir aussi énorme. J'ai un très mauvais pressentiment. Mais je crois, lui, Aster, c'est pas la première fois qu'il nous parle... Enfin, qu'il nous sort son Suicune, plutôt. Je me souviens, c'est pas la première fois, maintenant que j'y pense. Excuse-moi de t'interrompre, Aster, mais qu'allons-nous faire de ce Pokémon? Bien sûr, toutes ces discussions m'ont fait oublier l'objectif. Voyez, l'explosion a dû amener ici ce Pokémon aussi. Ce qu'il s'est passé il y a quelques temps, Ishtar, et maintenant les dires de Victor, tout ceci me fait me demander de quoi cet ectoplasma est capable. Décidé, je vais l'apporter au laboratoire pour l'analyser correctement. Gros. Quoi, Luna, t'es sûr de ça? D'accord,
Tu sais que je t'ai fait toujours confiance. Pikachu, tu es prêt? Plus tard. Les gars, vous avez perdu la tête. Hé, hey, mais où suis-je? Attendez, cette chose parle. Sinon, c'est la première fois que je rencontre un Pokémon capable de parler notre langue. C'est une bavardage, un stupide. Hé, hey, mais toi, tu es cette misérable gamine. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe ici? Calme-toi, tu devrais savoir que c'est grâce à Luna si tu es libre de la team dimension maintenant. Tu devrais au moins montrer un peu de gratitude. Et la team dimension, vous parlez de cet tas de ferraille sans cervelle? L'état de ferraille sans cervelle qui t'ont capturé pour t'extorquer des informations sur le Xenoverse. En tout cas, j'aimerais que tu coopères avec nous pour que nous puissions arrêter Victor. J'aurais préféré t'emmener dans mon laboratoire pour restaurer tes énergies, mais il semble que cette cage les ait maintenues sous contrôle. Oh, attends, est-ce que t'as dit Victor? Je commence à me souvenir, ce salaud avec son tyrannosif m'a mis KO en un seul coup. L'idée de le rencontrer à nouveau me fait sacrément peur. C'est seulement grâce à Luna que tu es capable de vagabonder à nouveau librement. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais j'ai le sentiment qu'elle essaie de contrer sa haine et libérer cet ectoplasma. Quelqu'un qu'elle a combattu plus d'une fois en est la preuve. Si seulement Versil pouvait voir à quel point tu as grandi, c'est très fier de toi, Luna. Oh, allez, vous pensez vraiment qu'un roi va s'abaisser à remercier un simple subordonné? Ah! Vos visages commencent à me rendre malade, je m'en vais. Je vous fais savoir que c'est la dernière fois que vous me voyez comme ça, compris? Tout ce dont j'ai besoin, c'est le mot café pour retrouver mon énergie ectoplasma. Adieu, Luna. Il a retenu mon nom, c'est bon signe. Ce Pokémon, c'est quelque chose. Ticonva. Il a disparu bientôt, puis je suppose que je retourne à Adwarf, les mains vides. Luna, écoute bien. En suivant cet itinéraire, tu vas arriver à Hyperion, la ville de la musique. Là, tu pourras te reposer, tout en trouvant une arène où toi et tes Pokémon pourront tester vos capacités. N'hésite pas à me contacter si tu trouves de nouvelles informations sur la Team Dimension. D'accord. Moi et Suicune seront toujours prêts à te secourir en une fraction de seconde. Très bien, Kay, il est temps de rentrer à la maison. Il en va de même pour moi, Luna. Je te soutiendrai toujours et je t'aiderai de toutes mes forces, je te le promets, je dois y aller. À la bientôt. Au revoir. Donc je dois aller en haut ou je dois aller en bas, moi, du coup? Pouette. Ah, bon, on est obligé d'aller en bas. Bon, comme j'ai dit avant, je vais esquiver un maximum de dresseurs. Nouvelle zone, d'ailleurs. Je vais regarder ça tout de suite sur le PokéWesh. Carte. Ah oui, on a fait tout ça. Ah oui, on est à côté. Donc route 8, oui, bah totalement nouvelle zone. Et après là, on n'y est jamais allé ici. Donc j'imagine là, 5ème arène, 6ème arène. Ah. Là doit y en avoir une. Il va y avoir, on va dire 7ème arène. Après, je suis allé partout déjà. Ça se trouve, il y a une arène ici. Ah oui, probablement. Probablement une arène ici. Et après, bah là, je pense la ligue. Eh bien, écoute, nous verrons bien. Donc, c'est une nouvelle zone, du coup. Eh bien, écoute. Voyons voir ce que nous avons. Un Vrombug. Pokémon de zone. Hein. Ah, on m'a pas soigné, tiens. Est-ce que j'ai une Rapid Ball sur moi? Non. Bah, en vrai, faible ball, hein. Vu que j'ai 15 levels d'avance. Allez, B plus bas. Rêve. La vitesse augmente. Bon, en vrai, Vrombug entre nous. Un type acier, quoi. Est-ce que j'ai besoin d'un type acier insecte? Vraiment, acier insecte. Je sais pas si j'en ai besoin. En quoi évolue Vrombug? Selon son évolution, je veux bien le prendre, mais... Alors, il évolue en Scavroom. Oh, c'est un type son. C'est un insecte son qui évolue en acier son. Ah ouais, non. Oh, il évolue littéralement en moto. Ah ouais, non, mais je veux pas d'autres types son, c'est bon. Oh. Plus la merde de type son. Ah. Merci, je savais déjà. Non, c'est chiant ça de voir de l'eau, j'ai toujours pas surf. Hein. Bah écoute, affrontons-le.
Ouais, il me fait pas peur, hein, lui. On l'a déjà tellement battu. Voulez-vous ouvrir ce coffre? Oui. Lui, c'est un bon indicateur pour savoir où j'en suis dans le jeu. Mais là, je crois que je suis à la moitié du jeu, hein. Bah, j'ai 4 badges, donc en vrai, oui. Danse Draco! Waouh. Après, Kecléon, voilà, quoi. J'ai vu de travers! Misère. Ah là là, Miaou, il est moche. Ah putain. Misère. 6 sur 11. Donc là, ouais, ouais, je dois être à 50% du jeu. Genre avec aujourd'hui, là, j'ai passé la moitié du jeu. Oui, c'est vrai que c'est grâce à lui qu'on a des super bonbons à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'il me vend de beau? Ça, c'est pas mal. Ah, j'en ai déjà plein. Eh bien, écoute. Bon, comme je l'ai dit, je préfère esquiver les dresseurs. Ah, une maison ici. La maison de Fernand, ne t'inquiète pas, entre. Je suis grand et costaud, mais je ne te mangerai pas. D'accord. Dans la journée, ce cagnotte ressemble à un four, mais la nuit il gèle dehors. C'est bon, ne sois pas des milliers d'étrangers. Assieds-toi près de la cheminée, repose-toi. Voulez-vous vous reposer? Oui. Merci beaucoup, monsieur. Je suis full vie désormais. Bon, moi, comme j'ai dit, j'esquive les dressers. Non, mais j'ai vraiment trop d'avance en XP. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu avoir? Un Vroombug. Est-ce que Assiesson, pardon, c'est un bon type? Je pense même pas. Hein. Parce que le type son, il bat le type haut, vol et fait, je crois. Fait, j'ai un doute, mais je crois. Ouais, donc Assiesson, c'est pas si bien. Et derrière, t'es faible au type dragon et électrique. En vrai, dragon, c'est pas si grave, mais électrique, ça me fait vraiment chier. Putain, il a des mouvements bizarres. Mais... Oh, Bagiguane. Ça aurait été bien, Baggy Gwen. Putain. Ça aurait été pas mal, Baggy Gwen. Oh, merde. Bah ouais, mais elle fait des mouvements random, elle. Back out. Oh. C'est pas génial pour Kyusei Chu. Y'a combien de Pokémon? Un seul. Ah ouais, mais... plus critique. Il en met tellement souvent. Mais faut vraiment que je lui laisse son objet. Hein. Bora va prendre Bélier. Non. Squet, squet, squet. Ouais, bon, allez. Une Luxe Ball. Oh, trop bien. Ah, on va peut-être choper Surf bientôt. Hein, parce que là, on a vu beaucoup de zones aquatiques. Oh, c'est Oiseau Malade! Putain, en vrai, j'aurais pu le prendre dans ma team. Hein. Vas-y, j'ai regardé en quoi il évolue. Pekabone. Pekabone. Ah, bah c'est ça. Pekabone, ça doit être en mode Pikabou. Et Pek, je sais pas, et Bone, bah pour... évidemment. Bah Pek, ça veut pas juste dire Pek. Non, je sais pas. Pekabone, Xenoverse. Alors, en quoi il évoluait? Il évolue en Rexquiem. Waouh! Putain, sympa! Si j'arrive à vous récupérer l'image, évidemment, c'est un WebP. Putain, c'est chiant, il y a tellement de WebP maintenant sur Internet. Vraiment, c'est si tu veux les convertir en PNG. C'est beaucoup moins lourd que des PNG, c'est pour ça que c'est intéressant, mais. Putain, c'est chiant. Voilà. Le Pokémon qu'on a en face de nous, il évolue en ça. Vraiment, vraiment stylé pour le coup. Hein. Et en plus, c'est un Pokémon de zone officiel
Enfin, Pekabon, c'est un... Ah, cadre. Ouais, non, je sais pas. Ouais, je pouvais toucher des éléments sur ma scène alors que je suis pas censé pouvoir le faire. Mais ouais, Pekabon, c'était un Pokémon de zone de mon... de Nuzlocke, hein, quand j'étais encore en Nuzlocke. Bon, attends, lui, je vais pas prendre de risque. Ah, quoique. Attends, là, je peux choper cet objet. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose dans cette zone quand même. Ah putain, mais même Kyusaichu il est level 48 là. Non, mais ils sont trop puissants mes pokés. Bon, je le vois bien venir que ce montagnard il va forcément nous voir. Même en allant plus bas. Ah non, c'est bon. Il semblerait que le Pokémon camouflage Masgo occupe occasionnellement les antres de Pokémon sous lesquels il se déguise. Et qu'en le chassant, que vous pourrez l'attraper. Comment ils disent Masgo? Masgot? Masgot Xenoverse. Oh! Il est mignon. Ah, oh, il est trop marrant! Ouais, c'est une espèce de Mimiki qui se déguise en Pokémon de type. Ah, il se déguise en certains Pokémon. Putain, trop mignon. Genre, il peut se déguiser un petit peu en Ectoplasma, en Dracaufeu. Là, je vois en Dimoray, en Scarino, en Alakazam. En Tortank, j'ai l'impression. Là, j'arrive pas à reconnaître. En Steelix. Ah, trop mignon. Hippolyon City. Oh, regardez qui voilà, Luna, c'est vraiment toi. Tu te souviens de moi, ton plus grand fan, tu te souviens hein? Mais lui, c'est mon papa. Ah, je pense que tu es mon papa. Bien, laisse tomber. Bienvenue à Hippolyon, le paradis de la musique. Si mon intuition est bonne, je dirais que t'es venu jusqu'ici pour choper ton badge d'arène, pas vrai? Ah, je te connais comme ma poche. Mais tu vois, tu pouvais pas choisir un pire jour pour venir ici. Tu dois savoir que toutes les activités de la ville, combat d'arène inclus, sont suspendues à cause de l'événement de Wallace Daddy. Ça aura lieu ici demain. Ah non, tu savais pas, tout le monde en parle en ce moment. Tu es dans le Xenoverse ou quoi? Demain, Wallace Daddy, le chanteur le plus acamé d'Aldeo, va jouer juste pour présenter sa nouvelle chanson. Quel est le rapport avec la fermeture d'arène pour les dresseurs? Eh ben Daddy, en plus d'être super célèbre auprès des jeunes pour sa musique, il est aussi un dresseur, le champion d'arène de Hippolyon, tu comprends maintenant? Ah, j'ai une idée. L'arène n'accueillera pas de dresseur pour un moment, donc j'ai rien d'autre. Attends, donc j'ai rien à faire d'autre que de me tourner les pouces. Du coup, que dis-tu d'une petite visite de la ville? Bien sûr, moi, je vais être ton guide vers les merveilles de cette ville mélodique. Ah, il y a des tags. C'est une ville de gauche. Oula, le lockpin. Oula, ouh, c'est suspect le lockpin. Hip, 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 hop. Ce bâtiment n'est rien d'autre que le Hip Top Store, le magasin le plus renommé de tout. Il y a vraiment des fautes d'orthographe à le monde. Ouais, c'est pour ça. En fait, ça doit être une traduction, mais peut-être réécrite à la main. Pour qu'il y ait des fautes d'orthographe, c'est vraiment pas rare que j'en voie. Même tout à l'heure, j'ai vu une faute de frappe carrément. Tu aimes le shopping compulsif, c'est l'endroit idéal pour toi. Par contre, fais gaffe à combien tu dépenses, rien de bon marché. Assez de blabla, continuons la visite. Nous y sommes, Luna. On est arrivé au centre-ville d'Hippolyon, à l'endroit du conseil. Comme tu peux le voir à la foule, tu peux deviner que Wallace Daddy va faire un carton. Si je dois être honnête, je suis aussi un fan de lui, je suis impatient. Excuse-moi, je suis tellement excité que je me suis emporté. Continue notre balade, il y a encore plein de choses à voir. Oh, des étoiles. C'est une grande ville, dis-moi. Moi? Ah, ici l'arène. Oh, est-ce que ce serait pas une arène dragon? Une arène ténèbre? Oh. Ah non, c'est une gare. C'est la gare d'Hippolyon. C'est de là que le Quasar Express part pour Westar. Tu pourras admirer le coucher de soleil incomparable sur les hauteurs rocheuses de Sunflare Canyon.
Comme tu peux le voir, c'est couvert de peinture murale, mais ne t'inquiète pas. Ce choix stylistique fait simplement partie de l'atmosphère que tu peux percevoir en ville. Il n'est pas abandonné... Attends, il a dit quoi ? Il n'est pas abandonné, mais qui semble être hors d'usage en raison d'une panne. Qui est pour quelque chose par hasard ? Peut-être. Comment tu sais ? Mais qui êtes-vous, en fait ? Je ne connais toujours pas votre prénom. Bonjour, je suis ton père. Et finalement, voici la reine d'Hypelion, la demeure de Wallace Daddy. Au sommet de ce gratte-ciel, il y a le Golden Studio, où Daddy a enregistré tous ses albums. De plus, à l'intérieur, les artistes les plus talentueux, sous l'aile du champion, vont te défier au rythme de la musique. Dommage que tu doives attendre pour faire tes preuves ici, jusqu'à ce que la reine soit ouverte. Ouais, et là, sois ouverte, c'est soit avec un T. Il y a une surprise. Pour fêter l'événement de demain, Daddy a organisé un buffet pour toute la ville, et gratuitement en plus. Quel homme en or. Je ne pourrais pas te voir à l'œuvre et t'encourager, mais je serais plus que ravi de te participer à ce festin. Allez, entrons. Oh, le QR code. Bienvenue. Ce buffet a été organisé par Monsieur Daddy. Pour promouvoir sa nouvelle chanson qui sortira demain, vous pouvez vous servir. Et rappelez-vous que tout est gratuit. Pouette, 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 pouette. Regarde tous ces délices, si ça ne te dérange pas, je vais me mettre à table, Luna. Ah, gnam 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 gnam. Oh bon. Vous êtes libre de vous servir. Wow, ces pâtisseries ont l'air délicieuses. Oh les gars, vous devriez goûter ce choix à la crème, ils sont si délicieux. Excusez-moi, aucune sucrerie n'a été préparée. Y a-t-il eu un changement d'organisation ? Oh, puisqu'ils ont déjà été servis, soit, vous pouvez vous servir comme vous l'entendez. Et en fait, c'est suspect, c'est un Pokémon. Oh non, ils les ont mangés comme des loups. Monsieur, nous sommes vraiment désolés que vous n'ayez rien pu manger. Veuillez accepter ceci en guise d'excuse. Super bonbon. Aha. Et nous excuser pour ce désagrément. Oh, ce bonbon avait l'air délicieux. N'importe, Luna, il est temps de partir. Putain, mais j'ai rien pu faire du coup. Ce bonbon était délicieux. Ce bonbon était délicieux. Ce bonbon était délicieux. Ce bonbon était délicieux. Toute la racaille. Bon, j'imagine que c'était pas des bonbons. C'était des Pokémon ou un truc comme ça. Et nous n'avons pas cuisiné sa valise, mais je dois admettre qu'ils étaient vraiment bons. Tu dis pareil. D'accord. Oh, le champion d'arène, il est noir. Pardon. Bon bah voilà. Ah, ça remplit l'estomac. Dommage pour le dessert, mais c'est pas grave. Luna, tu dois être fatigué après une si longue journée. Ça doit être dur d'être un dresseur, pas vrai? Bon, je pense pas en vrai. Je connais un endroit où tu peux te reposer autant que tu veux. Suis-moi. Une ville de racailles en fait ici. Oh, est-ce que ce ne serait pas la maison ? Nous y sommes, Luna. Cette humble maison est faite pour toi et tes Pokémon. Fais comme chez toi, mets-toi à l'aise et dors dans ce merveilleux lit. Attends, je dois vraiment y aller. Je ne voudrais pas être à court d'énergie demain. Je suggère de faire une bonne sieste, mais si tu veux faire une autre promenade, n'hésite pas. Quoi qu'il en soit, faites vos rêves et je te jure que ce n'est pas une blague au sujet du buffet. Poubelle et bien de papier. Oh, papier. Et ici, c'est quoi la maison ? Maison des invités. Comment on vit, moi ? Ah, très bien. Mes Pokémon, oh, ils sont trop level. Hein. Eh ben écoute. Voulez-vous vous reposer ? Oui. Je veux dormir. Aujourd'hui, c'est le grand jour de Wallace Daddy. Vous devriez vous diriger vers la place du concert. D'accord. Ah, il fait toujours nuit ? Ah bah oui, il fait nuit pour moi dans le jeu. Enfin, il fait nuit, il est... Il y a quelque chose dans la poubelle. Ah oui, mais là, il est minuit, quoi. Il y a quelque chose dans tous les poubelles, hurle-moi. À la limite, c'est dans le thème de la ville, donc pourquoi pas. Allez, Daddy! Bonsoir. Ah, je peux y aller comme ça? C'est lui, Daddy? Ah non.
Bon, j'imagine qu'il faut parler à toi. À moins que ce soit le mec de droite qui parle. Luna, t'es là, dépêche-toi, il est sur le point de commencer. Eh ben, ça en fait du monde. Hey, Podium City, est-ce que vous êtes oh, oh, oui, nous sommes... J'ai cru voir un moustique sur ma porte, mais non. Bon, je pense qu'il y a des moustiques. Dans ma chambre, je pense qu'il y en a au moins un de petits fils de... Oh yeah, alors, venez-moi pour SDD. X. Et noir. Yo, toi, what's up? Je vais aller, bras tout cassé. Voilà, je parlais comme ça. Les agents, vous êtes là, je vais venir de votre corps. Oh, ouais, vous pouvez faire mieux que ça. Yeah. Mais non. Regarde, c'est ça que je fais tout le temps. Maintenant que vous êtes chaud, on est prêt à lâcher la bombe. Vous êtes là pour le nouveau tube, n'est-ce pas? Yay! Ouais, yeah. Voici, partner, balance le son. Oh, c'est une arène son, alors. C'est une arène de type son, logiquement. Je peux bouger? Quel terrible mal au ventre. Je ne peux pas. Dès que là, je vais aller vomir. Ah oui, à cause des fameux trucs. Wow, wow, wow! Santana, on dirait que tout le monde est parti. Oh boy, la nouvelle chanson était si mauvaise, mais nous étions tellement chauds. Moi, ça doit être ça. Le nouveau tube était un epic fail, mais pourquoi? Oui, il y a encore quelqu'un en bas, alors il y a quelqu'un qui a aimé ça. Oh merci, merci. Désolé pour l'interruption, mais nous pensions qu'il ne restait plus personne. J'ai vraiment envie de connaître des fans aussi dévoués. Je suis un de vos plus grands fans, ainsi que le guide de la ville pour cet événement. Oh cool, et toi? Trois petits points. Luna, tous un dresser, c'est fou mon pote. Je vous donnerai bien un autographe à tous les deux, mais cette histoire m'a filé un salaire à goût et je ne pense pas que ce soit à cause de l'or. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Les gens qui quittaient mes concerts, je pense qu'ils me font un peu de temps pour digérer cet échec. Je ne pense pas que les spectateurs se soient enfuis à cause de la chanson. Qu'est-ce que tu dis? Je ne pense pas que les gens se soient enfuis parce que le spectacle était mauvais. Tu vois, aujourd'hui, un grand buffet a été organisé au rez-de-chaussée de l'arène. Un buffet qui n'était pas censé proposer de dessert. Ouais, I know, on a mis en place ce truc avec ma troupe pour publier l'événement, mais je ne te suis pas. Laissez-moi vous expliquer, monsieur. Vraiment, ce qui a été prévu, des friandises étaient exposées. Même les organisateurs ne savaient pas d'où elles provenaient. Je ne comprends toujours pas. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un sait peut-être qui a mis là ces bombes. Il était probablement mauvais. Par coïncidence, Timon et Luan, nous avions mangé, et nous nous portons parfaitement bien. Oh, qu'est-ce qu'on attend? Allons à la Wen et sans déclencher si les choses, non? Oh là là. J'ai tout vu de mes propres yeux. Un Pokémon étrange violet a mis ses bonbons sur le comptoir pendant que le chef était distrait. Oh non, c'est Péchabidus! Tu as dit un Pokémon violet? Ouais, un Pokémon violet, comme celui-ci. Alors, est-ce que c'est un Pokémon X ou un Pokémon qu'on connaît? Je pense que c'est un Pokémon X. Putain, mais il voit haut le... Non, mais attends, comment il le voit d'ici? S'il est sur le toit? Oh! D'accord. Cup! C'est un Cup Canaille Gigamax? Oh, c'est... Oui, c'est ça, j'en suis sûr. Mais quand est-il devenu si grand? Je vais te le faire payer. J'ai vu quelque chose du genre dans un film et je sais qui a appelé pour ça. Je vais passer quelques coups de fil. Luna, toi, tu es une dresseur. Cela ne me dérange pas vraiment si tu ne m'aides pas. Mais j'apprécierai grandement ton aide. Et si toi rapidement et rejoins-moi sur le toit de l'arène. Très bien, monsieur Daddy. Nous allons aider les personnes empoisonnées. Ça ne pose pas de problème. J'aimerais y aller avec Daddy. Je veux le voir en action. Alright, my friend, let's go. Ces gens bizarres vont regretter d'avoir attaqué ma ville. Donc du coup on entre là, c'est ça? J'ai bien compris, il faut aller ici. Squat. Golden Studio. Ah si c'est une arène son en vrai, Croque-Mou il sera bien dedans vu qu'il est neutre à lui-même je crois. Squat. Ah je pensais que j'étais en haut. Oh là là, mais c'est quoi ce bâtiment là? Encore un bâtiment de merde où je vais me perdre. Ah non. Oh oh, ça sent le boss ça. Cube canaille, psy. Non, pardon, fée. Vu sa gueule, peut-être poison en plus. On trichoute.
évidemment. Est-ce qu'il y a des objets à gauche ou à droite? Non. Eh bien, écoute, c'est parti. Hey Luna, allez, viens par ici. J'ai décidé de m'aider alors. Plus nous serons nombreux à nous battre contre ce noob surdimensionné, mieux ce sera. Union fait la force, n'est-ce pas? Tu canailles! Tu sais, Daddy, je n'ai jamais vu ce gamin reculer devant quoi que ce soit depuis que je l'ai rencontré. Oh yeah? Enfin, tous sont ces enfoirés. Hé, hey, fais attention à ce que tu dis. Ah, est-ce que c'est encore les robots A et B? Ah non. Ah! Oh putain, j'ai oublié leur voix. J'ai oublié leur voix, tous. Surtout à elle. Hey, essaye de dire ça encore une fois, tu te prendras un coup de... Ah attends, je lui avais donné un accent. Ah oui, je lui avais donné un accent espagnol, elle. Hey, essaye de dire ça encore une fois et tu te prendras un coup de poing dans ta sale tronche, compris? Ah, cette menta, je vois que tu es toujours en forme. Mais... Trêve de plaisanterie, mettons-nous au travail. Oh, le gamin là aussi! Voilà, je ne t'avais pas vu, désolé. Ah, tout bien. Oh! Ah, content de te voir, Luna! Bon, lui, j'ai totalement bien sa voix. Je crois qu'il a une voix un petit peu espiègle. Ah, alors vous vous connaissez déjà, c'est faux. Nous venons juste de nous rencontrer. Hup! On dirait que ce Pokémon en a assez de bavardages, et les joueurs aussi, probablement. Ah, c'est vrai, ne vous inquiétez pas, le GST est à... attaquez pour vous aider. Please, là, c'est la présentation. Hey, capitaine! Putain, c'est rigolo parce que là, tous les personnages là ont une voix différente dans ce que je leur donne. Revolver, lancez le protocole de présentation. Ah, bah oui, je me disais, c'était qui lui? Hola! Hola! Revolver est une arme haute technologie créée en modifiant cybernétiquement le système du chef-d'œuvre d'ingénierie de la Team Dimension. Je dois dire que pirater le système était loin d'être facile même pour moi, mais ce n'était pas impossible. Après avoir modifié le code source, ça en valait largement le coup. D'accord, Grisda, il faut toujours que tu en fasses des tonnes. En bref, nous disposons désormais d'une arme automatisée pour attraper les fantômes. Génial, no, Chris? Ouais, je n'ai pas compris grand-chose, mais ça, là, est génial. Démolisse ce monstre, ça doit être un jeu d'enfant, waouh. Waouh. Ouais, bien, chicos, attrapons ce super fantôme. Ah, c'est considéré comme un fantôme? Donc il est peut-être spectre. Spectre fait. Non, ça ferait doublon avec... avec le Pokémon du... De la... J'ai oublié comment ça s'appelle. Du Saloon. Buster, prépare tes canons. Oh! Salem, fais chauffer ton magma arm. Je suis toujours en fire, meuf. Allez, voyez, montre à Luna tes progrès avec le Kidogan. Ok, sis. Le système de capture du revolver est-il déjà prêt? Affirmatif. Oui bien. Revolver, une fois qu'il est affaibli, tu devras piéger ce fantôme, d'accord? Roger. Non, Roger. 3, 2, 1. TST en action. Évidemment, ça ne sert à rien, car ce n'est pas un fantôme. Mais pourquoi nos armes ne fonctionnent pas? J'étais sur le point de vous le dire, mais vous étiez tellement à fond. Bah t'as dû émettre ou mettre ce détail, mais je pense que le Pokémon n'est pas type spectre. Puisque ses bonbons ont empoisonné les citoyens, il est probablement type poison. Ouais, donc ça, poison fait, j'imagine. Santara, tu es un idiot, on est le GST. Notre travail consiste à attraper les Pokémon de type spectre, comme le nom l'indique. Nous sommes venus ici pour rien. Oh, je suis désolé, c'est juste quand j'ai vu ce grand gars. Je pense à ce film avec le monstre géant et... Ah, c'est Ghostbusters, j'ai de la référence. On s'est pris pour des acteurs, nous n'avons pas de temps à parler avec ce board. Hop! Ah. Oh boy, ces idiots ont été piégés, ils ont été éliminés en clin d'œil. Oh pardon. Eh bien Luna, je suppose que c'est à toi de jouer maintenant, voyons ce que toi dans le ventre. Ah, ça c'est la musique des Pokémon X. Hop! Ah, gros gros! Ouais, ok, je pensais pas que c'était un Pokémon X. Après, les Pokémon X, très souvent, ils sont bleutés. Prépare ton anus, le boss Cup Canaille veut se battre. Ah oui, les géants, on le voit avec le pixel art. Bon, j'imagine... On teste le type fée? Non. Ah. Oh là là.
et j'entends pas un deuxième. Bon, de toute façon, les Pokémon X, ils te mettent toujours des KO. Vraiment, le jeu est impossible. Hein. C'est vraiment ce jeu sans KO sur les Pokémon X, c'est vraiment pas faisable. Bah, il est poison. Ah bah, voilà. S'il est type poison, Prince devrait être pas mal. Ah oui. Après, il a mis un crit. Ah, il en tank 2, je crois. Hein. Ouais. Wow, putain, il tank tellement. Oh, il y a eu un bon jeu. Ouais, j'aurais pas dû tomber KO normalement. Bon, Sora. J'ai pas trop d'espoir, mais à la limite, ça peut être cool de l'envoyer. Je pense qu'il en tank au moins une. Ah, mais attends, si je fais qu'autogarde, il va tanker hyper bien, non? Vu que là, je suis à plus 3 en def et qu'il me tape physique. Mettons-nous à plus 6. Ah, il me tape pas. Bah écoute. Plutôt trancheur, non? Vu qu'on a un stab. Après, coup de jupe paralysé. Oh, Sora s'est transformé! Par contre, on en parle des dégâts là. Je pense qu'il m'a. Je pense que choc. Ah, mais c'est choc venin! Merde, c'est une attaque spéciale. Toxique. Ah, petit bâtard. Putain, mais il a combien de barres de vie, Cube Canon? Vampi point. Ah ah! Bah oui, je prends 0. Putain, même à plus 6, je prends aussi cher. Pas très efficace à plus 6. Ah, il m'a fait mal quand même. Allez, je crève du poison. Oh, quoique, il me retire 7 PV, c'est pas tant que ça. Son vent pipon est très chiant, je vais envoyer Sharpedo. Ah, mais quoique. Là, j'ai deux de mes Pokémon restants qui peut pas toucher avec. J'ai deux Poké Spectre. Ah oui, donc oui, vraiment, ma mère ne sert à rien. Bon, bah, cascade pour essayer de l'apeurer. Ok. Donc là, avec 6 Pokémon, je vais encore perdre contre un Pokémon X. Ils sont vraiment trop puissants, les Pokémon X, dans le jeu. Hein. C'est vraiment du foutage de gueule. Ils sont beaucoup trop puissants, les Pokémon X. Ouais, c'est ça. À chaque fois, faut que j'envoie Jet Sable dès le début du combat, en vrai. Hein. Pour être tranquille. Hein. Oh là là là. Ouais, c'est confirmé que c'est un Pokémon poison pur, a priori. Toxique. Bah, normalement, j'ai gagné, je crois. Hein. Oh, putain, non, quoique, mon dernier Pokémon, c'est un type fée. Oh, le crit. Mekyu Seichu, le sauveur. Bah ouais, jet de sable, hein. Non, mais jet de sable, faut que je la garde absolument, cette attaque, elle est trop forte. Ah ouah, tout loin, mon tout, ce que tout valait, Luna. Cap. Ah oui, donc il est vraiment censé être petit, en fait. Oh, what the hell, ce gobo-là est devenu si minuscule. Évident que ce n'était pas sa forme réelle, sinon comment aurait-il pu se faufiler dans le gymnase? Il a dû se transformer en géant seulement après avoir absorbé de l'énergie grâce à la mystérieuse sucrerie. Oh, c'est vrai, tu es un génie, toi, un vrai. D'accord, il est temps de faire payer ce petit bâtard pour... Est-ce qu'il pleure? Ce sont des pleurs de tristesse, pas de défaite. Et petit gars, dis-moi, tu aimes la musique, c'est pour ça que tu es venu en ville, non? Ouais, on ne peut pas t'en vouloir, mais alors pourquoi? Eh, qu'est-ce que tu fais? Vous inquiétez pas, il utilise sa capacité bain de smog. On dirait qu'il veut se racheter pour ce qu'il a fait. Vraiment cool, tu n'as donc pas du tout un méchant. Bien sûr, maintenant je comprends, tu voulais seulement aider, mais tu ne sais pas que ces bonbons étaient toxiques pour nous, les humains. Tout ça, mon petit gars, ou quand j'étais encore à Lola, ou... Ouais, bon, évidemment. Alors, j'ai pu... Un homme travaillait dans une boutique de Masalanda et m'a dit qu'un cousiné ne peut pas être un mauvais gars. Et comme par hasard, l'enseigne de ce kiosque portait une coupe canaille. Ouais bien, j'ai pris ma décision. Écoute, tu rejoins de mon équipe. Oh, est-ce que c'est une arène... Poison alors? Poison son peut-être? Un mélange des deux. Daddy, tu ne crois pas que tu vas un peu trop loin?
sont des choses que seul quelqu'un qui a vécu dans le street peut comprendre. Quand vous êtes seul, tout seul, vous avez juste besoin d'un petit coup de pouce pour sentir que vous faites partie d'un groupe. Et la musique, c'est quelque chose qui unit les gens. Je n'ai pas raison, petit gars. Bien des garçons. Mais tu ne peux pas attraper ce Pokémon avec une boule normale, car il ne vient pas d'Aldou, mais d'une autre. Je n'ai jamais dit que j'allais l'enfermer dans une Pokéball. Ce type a l'air d'un dur à queer. Un être libre. Qu'est-ce que tu as dit? Ce n'est pas d'Aldou, c'est une chose de plus que nous avons en commun, alors. J'ai trouvé un nouveau fouet grâce à toi, Lunar. Toi, dès que toi t'es une douceur. Alors je suppose que tu es venu ici pour te battre avec moi, la reine, non? D'accord, défi accepté, bien qu'on ne puisse pas viser le sommet dès le départ. Tout comme dans le monde de la musique, il faut commencer par là-bas, dans mon arène aussi. Donc, allons-y, Bruivern. Ramène-les en bas de mon immeuble. Bruivern? Mais attends, mais c'est quoi son équipe là? Il a un poison, je pense que c'était un type son. Mais si, c'est confirmé, c'est une arène son. C'est forcément une arène son s'il me sort un Bruivern. Mais est-ce que Bruivern a changé de type dans le jeu pour devenir un type son? S'il y a vraiment un Pokémon qui doit être type son dans Pokémon normal, c'est lui. Et évidemment les chauves-souris quoi. Genre pas Luna là. Rhinolove. Ah Luna, tu as failli atterrir sur ma tête. Ces rumeurs sur mes aventures avec ce Pokémon se répandent déjà en ville. En tant que membre du personnel, nous prenons soin des citoyens, bien que pour être honnête, ils viennent de retrouver leur force tout d'un coup. Sans aucun doute, grâce à toi, je te remercie donc au nom de toute la ville. Maintenant que la menace a été neutralisée, tu seras en mesure de défier Mr. Daddy. Mais d'abord, tu ferais mieux de soigner tes Pokémon, le défi d'arène exige le meilleur de soi. Le personnel sera heureux de t'accueillir et de t'expliquer comment relever le défi lorsque tu seras prêt, nous t'attendons. Donc du coup, je peux faire l'arène tranquillement du coup. Ah, c'est le poison. J'étais en train de me dire, putain, c'est quoi ce truc rouge là? C'est horrible. C'est désagréable pour les yeux. Donc j'imagine le concert a été annulé, donc... Ah. Est-ce que je l'ai chopé? J'ai vu un moustique devant moi. Ah, le petit fils de pute. Non, je l'ai pas eu, je pense. Ah, le petit bâtard. Bah si c'est type son Ah mais attends, si c'est type son, Sharpedo n'est pas bien contre lui du coup. Ouais, j'ai aucun bon. Ouais non, j'ai aucun Pokémon intéressant. Je vais garder cette équipe. Ouais, Sharpedo il est pas bien. Oh oh oh. Alors là, il va faire un ravage lui, hein. J'ai totalement oublié où était la reine. Elle est là? Putain, j'ai oublié. Putain, c'est vrai que règle numéro 1 dans un jeu Pokémon, parler à tous les PNJ de la ville. J'ai oublié de le faire. Vas-y, je vais faire ça. J'avais totalement oublié que je faisais ça à chaque fois avant. Je suis le pain, papa. Oh là là, saleté de racaille. J'ai vraiment la flemme en vrai de parler à tout le monde. Bon allez. Flemme. Bon. Ah, te voilà. Bienvenue enfin à l'arène de la ville d'Hypelion, jeune dresseur. Comme tu l'as deviné, Wallace Daddy est un expert quand il s'agit de Pokémon au type son. Si je veux lui donner du fil à retordre, fais griller la chaîne stéréo avec des types électriques ou détruis-la avec des types dragons. Cette épreuve d'arène est vraiment spéciale. Tu vois ce QR code géant sur le tapis? Si tu le scans, tu seras redirigé vers la page Instagram de Wallace Daddy. Alors, je me suis posé la question si je le faisais. Bah, en vrai, j'ai envie de tester, du coup. Vu que le jeu me dit littéralement que c'est utile. Je
Je peux lire en toi comme dans un livre. Tu te demandes qu'est-ce que les réseaux sociaux ont à voir là-dedans. Est-ce que l'arène aura un rapport avec les réseaux sociaux? C'est trop marrant. C'est parce que cette page contient les indices dont tu as besoin pour atteindre le champion d'arène. Tu peux bien sûr deviner les mêmes indices en observant l'arène, mais l'aide de Wallace Daddy n'est pas quelque chose dont tu peux vraiment te priver. Mais non, mais c'est génial. Attends. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Parce qu'après... Ok. Du coup, ça n'ouvre Wallace Daddy... Putain, mais c'est une trop bonne idée d'avoir fait ça. Parce que là, là du coup, je vais vous montrer, évidemment. Mais c'est génial d'avoir fait ça. Je crois qu'il faut que j'inverse ma caméra, du coup. Là, du coup... Attends, est-ce que... Ah oui, mais non, c'est ça que je dois... Ah, publication. Donc là, du coup, je suis sur la page Insta du type. Et du coup, c'est une vraie page Instagram. Attends, tac... Mise au point. Bon, on voit pas giga bien. Mais bref, c'est une vraie page Insta. Et il y a 9 photos. Il y a 9 photos et sur l'une d'elles, on voit l'un de ces Pokémon. Donc, voilà. Ce Pokémon-là, j'imagine qu'il l'aura, du coup. Trop bonne idée. Et bonsoir, Tintin, d'ailleurs. Et bienvenue sur ce nouveau streaming. Et vraie question, d'ailleurs. Comment vas-tu ? Bah trop bonne idée en vrai. Point Crow. Ah, il a joué au jeu. Bah moi ça me le confirme en tout cas. Ce jeu a les meilleures arènes que j'ai pu voir, tout Pokémon confondu. New single coming soon. New post. Ah, est-ce qu'on peut voir des infos? Non. Oui. Ah mais c'est génial en vrai. Et alors est-ce qu'on a des indices? Dinel Posto Senti. Ah mais putain, c'est vrai que c'est un jeu italien à la base. Ah ouais. Bon, je pense que je vais me fier à l'arène quoi. Ah, il est sur un trône d'épée. Avec du Damoclès. Enfin du Dimoclès. Non, ok, bah je sais pas. Je sais pas ce que je peux faire de particulier avec cette arène. Bah ça va nickel, merci, j'arrive au bon moment. Bah écoute, tu arrives pour cette cinquième arène de ce Let's Playing. Bah écoute, trop bonne idée la page Insta. Juste le problème, c'est que c'est moitié anglais, moitié italien, et je t'avoue que j'ai vraiment la flemme. J'aimerais vraiment revenir à l'époque des OST 8 bits. C'était de la musique. C'est vrai qu'il y avait des bonnes musiques, mais bon. Daddy peut aller de freestyle aux chansons à texte. C'est pourquoi il peut toujours répondre aux besoins du public. Cuisine, c'est comme la musique. Pokémon, c'est pour les gamins. J'ai pris quelques photos pour mon compte Instagram. J'ai avoir des tonnes de likes avec le hashtag Wallace Daddy. La question, je te dis que Route, c'est bien meilleur. J'ai dit, le meilleur titre, c'est Eldorado. J'aurais jamais pensé voir mon idole en personne. Pourtant, la chance m'a souri. Il avait des dents en or. Wallace Daddy lui-même a donné 2 billets pour la salle rock ici. Ouais, tu as besoin d'un de ces trucs pour défier Daddy à l'arène? Bien, je suppose que je pourrais t'en donner un. Alors... D'accord, battons-nous. Eh ben écoute... Faisons ça. Gros Doudou. Ah, est-ce que Gros Doudou est au type son dans le jeu du coup? Bonne question, parce que si c'est un type fait, je suis vraiment dans la merde. C'est un type fait. Je regarde le compte, c'est une dinguerie. Le compte de quoi? Le compte Insta? T'as passé le QR code aussi? Mais sinon, en vrai, premier degré, c'est une trop bonne idée. C'est bien pensé. Alors, Banque Sonic, c'est super efficace? Ah oui, contre le type fait, c'est super efficace du coup. Ok. Donc je suis pas fou. Le type son qui est un peu utile pour une fois. Le passe-rock a été obtenu. Dans les objets rares. Eh ben écoute, mon tonton. De Wallace Daddy.
Sortie, ça veut dire quoi? Ok, donc ça veut dire qu'il faut vraiment aller dans la salle rock. J'imagine que là, va falloir que j'aille vers le haut. Parce que tout à l'heure, je suis allé direct à l'extérieur. Oula. Oh, la musique! Ça, c'est un... Mais ouais, mais c'est les meilleures arènes. Vraiment, de tout jeu Pokémon que j'ai vu, c'est les meilleures arènes. Ce sont en termes d'énigmes, en termes d'esthétique, pas forcément, mais je te dirais en termes d'ambiance, d'énigmes, d'arènes, de réflexion, et musicalement, chaque arène a son propre thème. C'est trop bien. Je savais que tu obtiendrais le premier ticket facilement, Luna. C'est la salle du rock, le premier étage de l'arène Hypélion est le plus excitant. Pour progresser, tu dois obtenir le prochain ticket. Mais d'abord, tu dois trouver un moyen de traverser le public. Comme d'habitude, l'indice est caché dans la page Instagram de Wallace Daddy. Ah, c'est vrai, si tu te perds dans la foule, la sécurité viendra t'aider. Appuie juste sur le bouton R pour les appeler. Le bouton R? Aucune idée de ce que ça peut être. Ah. Merde. Tu me dis quoi, toi? Une force herculéenne. Ne dis pas que je dois parler aux bonnes personnes à chaque fois. Je pense que je dois parler à lui ou lui. Non. Quoi? What the fuck? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai la soluce. Bah écoute, je vais retourner sur le compte Insta, hein, c'est pas grave. Hein. Wallace Daddy, on disait. Ah merde, attends, c'était quoi le nom? Wallace Daddy, bah oui pourtant. Compte. Bah je le trouve pas. Pff, merde. Bah à la limite, donne-moi l'indice du truc, mais... Qu'est-ce que je pourrais faire? Là, regarder la télé. Attendre. Alors là, je sais pas. Ouais, vu que j'ai pas accès. Il a dit avec la salle, on peut savoir. Le bouton R. Ah, mais c'est quoi R? Ah. Non, ça, c'est la carte. Ouais, bon. Dans la sixième photo, dans la description, il y a un chemin. Ouais, bon. Mais le problème est là, c'est que je peux même pas passer, quoi. Bon. Y a pas moyen de voir les anciens... les comptes Insta que j'ai regardés récemment, là? Pas comment ça marche Insta, moi j'y suis très peu. Hein. Bon écoute, je vais retourner en arrière et je vais rescanner le code. Rez-de-chaussée. Donc ça veut dire faut que je garde la page Insta ouverte au cas où. Imagine le compte il se fait down. Comment? Ça veut dire tu peux pas finir l'arène. Bon alors. T'as dit sur la sixième photo il y a un chemin?
Avec le H de hip-hop, là. Je sais pas. Quelle photo tu parles? Ah, d'accord. Je l'ai trouvé. C'est stylé de briser le quatrième mur comme ça. Bah, très bonne idée. Mais pour le coup, toutes les arènes, je les trouve vraiment sympas. Juste la première qui était vraiment classique. Mais toutes les autres étaient sympas. Surtout la troisième. La troisième, c'était ma... L'arène de type O, c'était ma préférée. Une arène qui était très complète et qui demandait un petit peu de réflexion et de... On va dire de connaître le type de certains Pokémon. De connaître certains Pokémon en mode un petit peu Mésopotamie, en mode hiéroglyphe, tu vois. Et de connaître les Arbis. Et ça... Ça, j'étais étonné. Alors, tac. Donc on est d'accord, on démarre de là. Bas. Bas. Droite. Droite. Haut. Droite. Bas. Droite. Non, ça doit démarrer à partir de là. Ah, sur une photo, il y a Guzma en face de lui, je crois. Et oui, un mec de Alola. Rigolo. Bon alors. Bas. Droite. Droite. Non, mais putain, mais faut que je parte d'où? Peut-être que là, faut que je force. Bon, peut-être qu'il faut partir d'ici. Bas, bas, droite, droite. Je peux pas leur parler. On est d'accord que parler, c'est la barre espace, je suis pas fou. Ouais. Et vous, appelez la sécurité. Sécurité. Ah ouais, mais là... Ah, en mode je pars d'ici. Ah, donc ça veut dire qu'il faut que je regarde comme ça mon téléphone, peut-être. Ah non, dans l'autre sens. Ah ouais, mais non, parce que c'est comme si je partais d'en bas. Et si je le regarde comme ça, mon tel. Ah, c'est peut-être ça, mais en mode inversé. Ah, attends, est-ce que là... En fait, je comprends pas où est le point de départ. Ah ouais, mais... Je pense que le moment où je dois aller à droite, c'est là ou c'est là, quoi. Ou c'est peut-être elle. Je sais pas. Donc, bas, bas. Droite, droite. Ah, en fait, le seul moment où je peux faire droite-droite, c'est là, quoi. Donc, bas, bas, droite-droite, haut, droite. Internet. Bon, tant pis. Là, je comprends pas. Xenoverse, Pokémon. Hydrogue, aide-moi. Et bonsoir et bienvenue sur le meilleur jeu vidéo. Mon starter mort mais obligatoire pour faire le jeu. Ah. Le seul jeu Pokémon où toute ta team peut se faire tuer instantanément. Ah bah oui, bah là. Bon attends, je vais regarder le quatrième stream de Fidron pour voir. Attends, il est dans quelle arène là? Non, il est pas du tout là où je suis. Ah oui, mais il est vraiment en retard de fou. Si je regarde son sixième stream. Ouais, sixième stream, il est en retard. La team s'est fait fracasser. Par un des boss. 4 morts et 2 survivants. Ouais, mais les boss, ils sont trop puissants dans ce jeu, frère. Ok, donc Fidrong, là, il en est là où je suis. Donc là, je suis au 8ème stream de Fidrong. Sur 13 de ses streams. Donc ça indique là où j'en suis dans le jeu à peu près.
Bon, écoute, hein, moi je regarde là, j'avance. Ouais. Oh putain, mais non, mais la vanne! Fidrong, il a pas montré sa. Il a réussi à rentrer dans la foule, mais il y avait sa capture de. Qui faisait qu'on pouvait pas voir. Mais attends, mais si ça se trouve, il y a une autre entrée, non? Bon, attends, au pire, Pokémon Xenoverse. Sound Gym. Au pire, je vais juste regarder. Hein. Hyperion Gym. Alors. Ok, donc il était poison pur, l'autre. Oh, il y a tellement de dressors dans la run. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, j'ai pas vu la team du mec. Ah, mais ils me disent pas je suis censé faire quoi. Tu peux zéro interagir avec les gens. Mais si ça se trouve, c'est bugué, hein. Je suis censé pouvoir interagir avec les gens. Parce que là, moi, je peux pas interagir avec personne. Parce que j'ai essayé de passer sur les murs, mais j'ai rien pu faire. Ah, là, dans le jeu, le mec a pu rentrer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Ok, je viens de voir. Alors, tiens-toi bien. L'indice. Oh, il te faudrait une force herculéenne pour traverser cette armée de fans. Mais quelle était la solution? Oh. Oh. Il fallait tout simplement utiliser le Herculeum H, l'équivalent de force. Mais comment? Eh ben putain, fallait y penser. Alors du coup on démarre. Ouf. Ah ouais non, ah là fallait y penser hein. Waouh. Ah ouais, d'utiliser les CS dans. Enfin waouh. Bon, moi j'estime qu'on commence là. Donc bas, droite. Non. Peut-être qu'on démarre là dans ce cas. Donc bas. Non. Donc ça veut dire on démarre de là. Je savais pas la CS. Ah bah moi j'avais oublié, tu vois. Donc bas, droite. Alors est-ce que là je dois avancer? Non, attends. Donc on est là. Donc là j'ai fait droite. Donc là. Haut. Oh. Droite, bas, droite. Là, je monte. Non. Et lui, je peux pas le pousser. Je comprends pas. Pourquoi il y a des gens qu'on peut pousser et pas d'autres? Ah, je peux que pousser ceux qui regardent dans une certaine direction. Ah non. Eh ben écoute. Bah j'en sais rien, écoute, hein, on va essayer de prendre un. Je vais essayer de suivre mon propre chemin. Ah merde, je crois que je me suis niqué. Attends, sauf si. Ah ah. Ah quoi que si. Si je me suis bloqué, je crois. Enfin, je peux aller là peut-être, mais. Ah putain.
Eh ben, j'imagine qu'il faut tous les battre, eux. Je suis Tiana, la bassiste de Raganwara, le groupe qui fait la première partie des concerts de Wallace Daddy. Tu as besoin du ticket pour monter, si tu veux que je te dise quelque chose, va falloir me battre. Bah, en fait, le chemin, c'était bullshit, il n'y avait pas besoin. Mais écoute, trop bonne idée. Trop bonne idée, la reine, d'avoir fait ça. Mais le cric, bah écoute, ouais. Parce que j'ai voulu suivre le chemin qu'on m'a donné, mais du coup, j'ai pas eu besoin. Burmund. Oh, je le connais, ce petit camp. Enfin, voyez qui recommou. Rockmou. Vas-y. Ah non, vraiment, merde, j'ai mal lu. C'est quoi ce truc? Attends, premier degré, je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Lance flamme. Grincement. Ah bah oui, évidemment. Bah, je vois que c'est un truc qui joue avec sa queue. Ah, c'est une espèce de... Ah, c'est un museau qu'il a là. Ah, c'est un âne. C'est une espèce d'âne. Une meuf bassiste. Ah oui, non mais la fille, oui, mais je parle du Pokémon. Tu m'as tendu comme une basse. J'aime bien son design. La loose que j'ai perdue devant autant de gens. En fait, j'ai pas de ticket, mais peut-être que Jimmy le guitariste devrait en avoir. Je suis Jimmy du Charonou, ah bon, je suis le guitariste du Trésor. Si c'est le ticket que tu veux, laisse-moi dire que je l'ai pas. Mais tu me l'as pas défilé, hein. Et viens prendre ton coup de jus. Oh non. Bon, si c'est coup de jus, lui, il a une team électrique. Arrrr, bok. Oui, une vache. Oui, ou une vache, c'est vrai que j'ai... Non, vu les oreilles, ça devait être plutôt un âne. Viper, 4 heures. Ah putain, j'avais oublié que j'avais intimidation avec tous ces choux. Ouf. Arbok est de type son. Bah, vu qu'il est inspiré du serpent... Mais non, il est inspiré du cobra royal, non? Pas du serpent à sonnette. Oh le chat. Le chat. Racogriffe. Ah, ce truc est type son. Putain, on dirait pas. Le type dragon qui est super efficace contre le type son. Pourquoi? Je trouve ma caméra, elle me filme bas. Ah c'est mieux. Eh merde mec, tu m'as complètement assommé. On le passe, demande à Dave le batteur. Bon, j'imagine on va finir par deux. Ne t'entends pas, la musique est trop forte. Pour un combat Pokémon, tu dis ouais, pourquoi pas. Chaque mec a un Pokémon à son effigie. J'ai l'impression que c'est ça. Alors, quel Pokémon est un noir? Ramboum. Ah oui, bon, Ramboum, la définition du Pokémon son. Putain, mais c'est vrai que j'avais oublié. Ouais, Bruiverne et Brouabam, la définition d'un Pokémon de type son. Si le Pokémon, si le type son existait, ça serait ça. Oui, oui. Oui, j'imagine, c'est quoi? C'est que c'est un tambour. En vrai, c'est rigolo. Oh, colère. Non. Non, non. Non, non, ça ira. Bon, allez, il va me dire, il faut aller voir le chanteur. Je ne l'ai pas vu, mais je suis sûr que Fouedi, notre frontman, peut t'en donner un. Ah, Hyperion City, vous êtes vraiment un public exceptionnel. Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue au Raganarel. Eh, tu ne vois pas qu'on est occupé? Dégage la scène. Les autographes, c'est pour plus tard. Ah, j'ai compris. Tu as besoin du ticket pour l'étage suivant. Eh bien, t'as de la chance, j'en ai juste un ici. Mais je ne te le donnerai que si tu déchires ce combat Pokémon. Alors, qu'est-ce qu'il peut avoir? Bah, encore un Pokémon qu'on connaît pas, j'imagine. Putain, c'est les volis de type son. Il est pas mal, mais pas si beau que ça. En... Il rend mieux avec son artwork. En pixel art, il rend pas si bien. Alors que Kyusei Shu, je trouve, il rend pas mal. Bromande. Encore un Bromande.
Mais attends, mais ils me sortent tous un bremande ou quoi? Ah bah là, le monsieur oiseau, ça se voit que c'est un type sombre. Il y a une ref cachée? Ah! Mince. Je n'ai pas la ref. Freddy. Freddy McGolagan? Non, je sais pas. Style et élégance entremêlés dans un spectacle authentique. Voici le ticket que tu cherches. Ouais, si ça se trouve, ce groupe c'est fait référence à un truc. Il m'a donné quoi? Un passe-danse. Alors, est-ce qu'on peut partir tranquillement? Logiquement, oui. Chaque membre, c'est un membre d'un groupe de rock. Eh ben, écoute. À quel étage voulez-vous aller? Dans la salle de danse. Bah, trop bien, la reine. Mais du coup, je sais pas si l'Instagram était vraiment utile, quoi. Peut-être que dans les commentaires, il te disait d'utiliser force. Putain, mais la musique, elle a encore changé. Tu t'en sors bien, Luna, je vois que t'as le rythme dans le sang. Voici la salle de danse. Plein de danseurs et breakers. Est-ce que tu es un bon danseur, d'ailleurs? L'indice, comme d'habitude, est caché sur la page Insta de Wallace Daddy. D'accord. Alors, regardons. Est-ce qu'il y a un délire? Oh! Mais oui, l'indice. L'indice de ce Pokémon-là. Ça voulait dire qu'il fallait utiliser force. Putain. Le batteur, c'est Scream. Le chanteur, c'est Queen. Ok. Ah non, j'aurais pas su. Alors. King of the Jungle. Je pense pas que ce soit ça. Est-ce qu'il y a un truc où il est un peu en mode danseur? XXX, là je vois. Là il y a l'air de rien avoir. XXX, ouais, non, là il parle du mec d'Alola. Là c'est le chemin, mais qui me servait pas. Là il y a rien. Poké Wes. Oh! Ah ouais, non, mais d'accord. J'ai l'impression que là, si j'ai bien compris, il y a 9 pages, enfin il y a 9 posts, et 3 posts donnaient un indice de ce qu'il fallait faire. Parce que là, il y a un post, c'est le Poké West, c'est là où on peut utiliser les CS, et une autre image, il montre le scarabée Hercule qui active force. Et l'autre, bah, c'est en commentaire, on a vu a priori le chemin à utiliser, mais... Je pense que le chemin, c'est pas celui-là. Bah, je regarde un petit peu les autres trucs, mais... Hip-hop, We Are The Jungle. Je regarde un petit peu, là, je vois qu'il y a 3 couronnes. Ouais, après, faudrait peut-être que je regarde les commentaires et voir s'il y a un commentaire épinglé. Bon. Bah, j'imagine faut parler au premier PNJ qu'on voit, ils vont nous dire ce qu'il faut faire concrètement. J'ai le droit de la piste. Peut-être la liste d'albums, je sais pas. La liste d'albums. Oh putain, j'avais pas vu on pouvait aller à droite. Est-ce que ça change quelque chose? Non, je sais pas. Ah, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe s'il y avait plusieurs images sur un poste. Non, ça arrive une seule fois. Je sais pas voir les commentaires. Non, je regarde. It's been a while, nininio. Voir les commentaires. Est-ce qu'il y a quelque chose du genre? Non. Je pense que... Ah, hashtag dance, là, je vois. Ouais, non, ça doit être ça. Bah, les fameuses flèches, je pense que ça va être pour maintenant. Et c'est peut-être pour esquiver les dresseurs. Ce qui m'arrangerait, parce que je suis très haut level, quand même. Vroombug, bah, du coup... Ah, mais c'est... Oh, j'espère que j'ai des huiles, hein.
Parce que là, moi, à spammer Dracogriff, il y a les 11 sons de l'album. Les 11 sons de l'album de Queen et tout, tu parles? Ou c'est pour cet étage-là? Merde, attends, quoi? Ma mère, machination? Je sais pas, Ah oui, à la place d'un muret, bah oui. Évidemment. Non, il y a l'album de Daddy, il y a ses 11 sons en publication. Ah, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de particulier ici? J'imagine qu'il faut que je trouve le bon PNJ. Ah mais mec, j'ai pas envie de tous les affronter, hein, vraiment. Merde. Oh putain. Oh, j'ai... Ah mais c'est pour ça qu'il y a autant de dresseurs en fait, c'est à cause de cette salle. Hein. Oh c'est son Istrel, il est mignon. Merde. Non, j'ai pas fait exprès. Il y a une sono en haut accessible. Ah mais il sait bien, ils ont bien joué. Hein. Vous avez bien joué, c'est un bon jeu. Il est peut-être un peu très difficile. Mais sur, que sur les boss. Mais après, ça va. En vrai, même les champions d'arène, ils sont pas donnés. Hein. Il y en a eu deux qui m'ont rien pété la gueule. C'est un lézard tag. Non mais ça peut être quel type ce truc? Ténèbres a priori. Putain mais génial, il y a vraiment des pokés, c'est des bêtes d'idées. Hein. Plante son. Ah oui j'avoue, plante. Logique. Ou sa gueule. Ou poison peut-être, hein. Sinon moi je pensais. Bon allez, en vrai je pense qu'on va un petit peu switch hein. Niveau PP là c'est compliqué. Bon, tant pis, hein, je vais parler à tout le monde, hein, je pense. Hein. C'est la zone VIP. Bon, je pense logiquement, c'est pas ceux du milieu, mais bon, faut bien tester. Hein. L'avantage, c'est que normalement, bon, Croque-Mou, il est littéralement deux fois plus puissant que tous mes Pokémon. J'ai très peu de Pokémon qui ont une stat qui dépasse les 100. Croque-Mou, il s'approche des 200 en attaque spéciale. Bah encore Pijako, c'est vrai. En vrai, il y a beaucoup de Pokémon normal qui pourraient avoir un type son. Genre, premier degré, naturellement, genre, ça me choquerait pas que ces Pokémon soient des types son. Si le type son existait, ils auraient pu. Ah. Ah non, j'ai cru qu'il y avait un mur invisible. Bon, je pense que je vais plutôt éviter le mec du milieu. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Explique ici pour demander la musique, je te ferai savoir que tu dois attendre un temps. Oh putain, d'accord, j'ai compris ce qu'il faut faire. Ça y est, j'ai compris. Ok, donc ça veut dire E3, faut bien que je les batte. Putain, j'aime beaucoup son design, elle. Ça y est, j'ai compris. Bah là, le fameux commentaire où il faut faire des pas de danse, enfin, où il y a des flèches, et bah en fait, c'est à la piste qu'il faut faire ça. Ça doit être ça. Bah, vu qu'il y a le hashtag dance, je me doutais que c'était là. Mais là, ça y est, j'ai compris ce qu'il faut faire. Oh, prince psycho. Ah bah là, clairement, à la place de Raphaël Psy. Donc selon moi, faut démarrer à partir de lui. Parce que c'est un emoji qui fait la gueule.
Et lui, il fait la gueule. Ah oui, regarde. Ok, c'est ça. Donc droite, droite, haut, droite, bas, droite, droite, haut, haut, droite, droite, bas, droite, 1, 2. Hé, gamin! Tu as été formidable, viens ici au stand. Bon, c'est bien, j'ai pas eu besoin de faire 20 milliards de combats. Putain, mais génial, l'arène, encore une fois. Donc, c'était cool, c'est pas dedans, c'était complètement fou. Let's go, MDR. Voyons si tu vaux la peine de monter au Golden Studio. Oh! C'est pas possible! Vraiment! Eh, vraiment! Ah ouais, il a des petits pics sur la tête comme le... C'était qui? C'était le guitariste? Allez, vas-y, moi je dis, on innove. Bélier! Ah! Évidemment, je rate l'attaque. Bon, je veux changer d'attaque. Bélier! Oh! Overdrive! Oula. Comment ça, super efficace? Ça veut dire que c'est une attaque électrique. Bah oui. Le guitariste, oui. Ramboum! Ah, mais Ramboum, je le bute pas, je crois. Hein. Misère. Mais vais-je survivre? DJ Jade. Blabli blablo blablabla. Passe au studio. Ça se trouve, la reine est déjà finie. Bonne chance, cousin. J'ai l'impression que la reine est déjà finie. Eh ben, écoute. Paf. Je serais chaud d'utiliser une petite huile. Parce que sinon, j'ai peur. Draco Griff. Et moi, je vais me battre avec Kyusaichu. Vas-y, je vais démarrer le combat. Je vais faire des danses Draco. C'est parti. Je vais faire une save. J'en ai pas fait aujourd'hui encore. En vrai, j'ai pas trop peur que le jeu crash. J'ai assez confiance. Mais bon, après avoir connu les crashs de Sonic Frontiers, je me méfie des jeux maintenant. Golden Studio. Bah, génial. Arène, encore une fois. Trop bonne idée. Ouais, je suis vraiment content de faire les arènes dans le jeu. Je les trouve vraiment cool. Alors, est-ce qu'on est arrivé au bout? Ah, et on est retourné là où on était tout à l'heure pour affronter le Captain Eye. Ah, quelqu'un a réussi à monter ici, incroyable. Monsieur Daddy est juste devant, mais avant que tu ne l'atteignes, je veux que tu répondes à une question simple. Quel est le titre de son premier album certifié d'or? Alors, est-ce que c'est... Comment je peux savoir? C'est quoi? C'est quoi? Putain. King of the Jungle. Là, je vois hashtag King of the Jungle, hashtag King of the Jungle. Gold Record. Ah, ça doit être ça, non? Avec les hashtags. Ça doit être ça. Ouais, bien vu. Non, mais je vais dire ça, hein. Tous tes Pokémon sont affichés d'une condition de statue. Quoi? Quoi? Bah c'est trop tard. Oh non, on affronte Hystérique. Mais non, mais c'est quoi ça? Avec tous mes Pokémon sont empoisonnés. Terax to Riches King, c'est le deuxième. Non, c'est le dernier, il m'a dit. Ah putain, fait chier. Mais oui, c'est un... Mais oui. J'avais oublié. Oh putain, mais en plus, on est gravement empoisonné. Ah. Bon, bon, alors là. Bon alors là, Kyusaichu, il peut plus rien faire. Retenu.
Et en vrai, vu qu'on va s'approcher des 2h30, je vais probablement m'arrêter après cette arène. Hein. Je vais juste voir où est-ce que je suis censé aller. Mais je pense que je vais m'arrêter après. Et Bank Sonic! Baf! Ah! Bah, je pense que je vais aller voir les. Ah, c'était pas prévu le poison. Je pense que je vais aller voir. Le centre Pokémon, peut-être. Ah, quoique, je peux peut-être monter à l'étage. Parce que en haut, avant d'affronter le cube canaille. Et oui, avant d'affronter le cube canaille, il y avait un truc pour me soigner. Tu m'as prouvé que tu étais un adversaire de taille, et je suis sûr que Mr. Daddy le pensera aussi. Mais tu dois être en pleine forme pour l'affronter. Ah, merci. Bon, on démarre sur QCHU, évidemment. Hein. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est vraiment tout d'or. Hey, Cap Canaille! Cap Cap! Oh, yeah, tu es un joueur quid, n'est-ce pas? Je pensais avoir mieux caché les indices pour monter ici, mais tu m'as eu. Tu es passé fois moi que tu witches. Je sais pas ce que ça veut dire, Rag. Tête de pauvre. Je suis désolé, mon pote. Tu es entoué directement dans les quadroways du lion. Une seule bouchée. Dans cette jungle urbaine, il ne peut y avoir qu'un seul roi. Si tu veux ma couronne, viens la chercher. Mais d'abord où? Laisse-moi mettre un rythme puissant, je veux mettre en feu pour ce combat. Allez, je vais en jouer, je cherche mes cours. Ah bah c'est exactement la même musique de... habituellement. Champion Wallace Daddy veut se battre. Arbok, type son. Ah, c'est pas moi qui ai intimidation. C'est que mon talent m'empêche d'être intimidé. Oh. Comment je tank. Et en vrai, la musique, elle me fait vraiment penser à certaines musiques qu'on a pu avoir dans... Comment? Les musiques des Pokémon Paradox. Ça me fait vraiment penser à ça. Bon allez, je pense qu'à plus 2, ça devrait suffire. Surtout cette petite phase là, tranquille. Et ça me fait penser au combat contre Olim. Ou Touro. Je sais plus comment il s'appelle l'autre prof. Mais bon. Bon, je suis à plus 2, je suis super efficace contre tout. Donc pour moi, bah, c'est l'arène la plus simple à ce jour. Scavroom. Ah, le voilà. Le fameux insecte. Acierson. Ah, lui, je pense pas le one shot. Il y a moyen qu'il tank. Je suis à plus 2 stabé quand même. Touroum. Ah, Touroum. Cube canaille. Ah, il envoie quand même une Pokéball. Bah, on connaît son type à lui, hein. Mais bon, là, il a pas 4 barres de vie, du coup, je pense que je le touche shot ou je le one shot. Subwoofer. Ce n'est pas très efficace. Boue noire. Oh, coup critique! Oh! Mais il en a mis combien? Je crois que c'est au moins le 6ème ou le 7ème qu'il met. Il en a mis tellement. Et on termine. Oh, sur un Emelios! Oh, bah oui, avec le rugissement du lion. Vas-y, j'aime bien Emelios, surtout femelle. J'aime bien la tête de Emelios femelle. Alors? C'est un Pokémon totalement normal! Et il est type son, du coup. Son feu, j'imagine. C'est sûr que son feu, c'est vraiment meilleur que normal. Eh ben écoute, QCHU, bravo. Ah, c'est un peu décevant que son Pokémon X, parce que chaque arène a un Pokémon X qui provient de la dimension Xenoverse dans le jeu. Et ben là, malheureusement, ouais. Déçu le Nemelios. Bah, c'est un peu dommage que le Pokémon X, ce soit celui qu'on a déjà affronté tout à l'heure. Oh boy, tu frappes plus fort que ma grosse caisse d'une batterie. Pit Patch. Oh boy, comment peux-tu être aussi fort? Ah, peu importe, tu m'as bien eu, mon gars. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme? Bah, c'est pas le cube canaille. Eh bah si, c'est le cube canaille. Regarde, il est à droite, là, il est en train de nous regarder en mode « Oh, j'ai peur d'eux, c'est pas possible. » La dernière fois que j'ai été battu à ce point, c'était lorsque le vieux Schnock m'a assolé encore.
Mais c'est ce genre de coup qui m'a rendu fort, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Si je ne m'étais pas autant cogné la tête contre ce mur, je ne sais pas où j'en suis aujourd'hui. Luna, c'est toi un rêve faisant ton soleil, ton but dans la vie. Je n'ai aucun rêve dans la vie. Saisis le joue comme tu saisis ce badge. Squat, wallet, badge beat. Tu as beat le badge d'arène, bravo. Bon, cet éclat, mon badge beat est un beau morceau en or, il est tout à toi maintenant. J'avais promis un autographe, mais après ce que tu as fait pour ma ville, ce ne sera pas suffisant. Je veux que tu aies ceci. Mégaphone. Ou peut-être Bank Sonic. Subwoofer. Un Pokémon qui utilise ce coup va couiller et montrer aux ennemis qui est le poids, les appâts ou un cool, non? D'accord. Je veux que j'en ai fini avec les bavardages. On se voit la prochaine fois, mon pote. J'ai peut-être une autre invitation spéciale pour la sortie de mon prochain disque. D'accord. Bah écoute, encore une fois, trop cool l'arène. Moi, j'ai bien aimé. Non, mais gros taf pour les arènes, quoi. Quand tu compares aux merdes que nous avons eues avec, à tout hasard, le dernier jeu vidéo de Pokémon. Vraiment, j'espère que la DJ, elle va se relever de cet échec. Qui a été échec et violette. Qui a été Scarlet et Violette. Putain. Non mais excellente arène, encore une fois. En vrai, c'est ma deuxième préférée derrière l'arène O. L'arène O, j'ai vraiment été très très agréablement surpris. Ah, c'est my bad! J'ai déjà le cinquième badge! Le roule olive. Ouais, bah, le roule olive qui est bien moche. Un peu buggé au passage. Bon, bah, je vais bientôt m'arrêter du coup. Juste avant ça, j'aimerais savoir où je dois aller, très probablement à gauche. Non, non, mais très décevant. Ou pareil, tu sais, l'arène du sport là. L'arène du sport où tu dois juste appuyer sur une touche et tu sais pas si tu dois appuyer une ou plusieurs fois. Non, par contre, que j'ai adoré dans Écarlate et Violette, ça a été vraiment les DLC. Les DLC, j'étais vraiment à fond. Et je pense que ça se ressent que j'étais à fond parce que j'ai fait des... Je suis pas que sur Twitch, hein, je suis sur YouTube également. Et j'ai repris les vidéos depuis un peu plus d'un an maintenant. Où évidemment, je fais des best-of de Twitch. Et j'ai fait 5 best-of sur les DLC de Pokémon Écarlate et Violette. Et j'ai vraiment kiffé les faire et je trouve que ça se voit dans les vidéos. Enfin, je suis vraiment à fond, j'ai vraiment passé un très bon moment, quoi. Aéroport. Ah, maintenant, faut que je prenne le train, non? Ah, bonjour, Luna, tu étais encore en ville. J'aurais vraiment aimé assister au concert de Wallace Daddy, mais j'avais beaucoup de choses à faire pour Aster. Et je l'ai raté. Et toi? J'ai obtenu le badge. Quoi? Tu as réussi à le voir en direct et obtenir son badge? Waouh! Je ne savais pas que tu étais un de ses fans, mais ta victoire ne me surprend plus. Je suis aussi devenu plus fort depuis la dernière fois, tu sais. Le cache-cache avec Clavel. Non, mais ça, c'était rigolo à la limite. Mais ouais, mais est-ce qu'il y a eu des bonnes arènes dans Écarlate et Violette? À part les défis des conseils 4 de l'arène Myrtille, je crois pas, hein. Bon, l'arène des olives, forcément, c'était de la merde. Attends, je me souviens même plus des badges. Arena... Non, c'est Gim. Gim, Scarlet, Violette. Alors... l'arène insecte, de la merde avec l'olive. L'arène plante... Ah oui, c'était avec les Eliatrons à 5 FPS. Après, c'est avec l'arène électrique où je me dis pourquoi pas. L'arène haut, c'était juste d'acheter des choses. L'arène normale était bien. Et même le... Je crois que d'ailleurs le... L'arène normale, c'est la préférée de... des gens. Enfin, le champion d'arène, c'est le préféré. Et le champion... Enfin, et le conseil 4 aussi. L'arène spectre, je n'ai aucun souvenir. Je crois que c'était juste des combats doubles. L'arène psy, bah, c'était l'arène du sport. Et l'arène glace, qui était très décevante. Parce que le défi était extrêmement simple. La battle de rap, le plat secret, les enchères, le cache-cache, le truc Eliatron. Non, mais il y avait juste le plat secret que j'avais bien aimé, en vrai. Mais c'est vrai que toutes les autres arènes, elles m'ont déçu. Ne parlons pas de la ligue.
En vrai, tu vois, le petit interrogatoire avant la ligue, pourquoi pas. Mais bon. Bon alors, Kay. Oh. C'est une belle bête. Electric Vol, vu sa gueule. Oh, il me dépasse. Il me dépasse, mais maintenant je le dépasserai. Dracogriffe. Et donc, quoi? Est-ce que ce serait pas le moment de faire une deuxième danse drago? Je suis un gros farmer de karaté violet, mais l'histoire est à gerber. Bah, moi, évidemment, j'ai fait l'erreur, comme beaucoup, de m'être baladé avant de faire des arènes et des défis et tout. Et du coup, bah, j'avais une giga avance le jour où j'ai commencé à faire les arènes. Bah, je crois le jour où j'ai commencé à faire les arènes, j'en avais peut-être battu deux ou trois. Et après, bah, quand je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop d'avance, le jour où je m'en suis rendu compte, bah, je crois que j'ai pu faire toutes les arènes. Je crois que j'ai battu toutes les, j'allais dire les bêtes divines, mais les Pokémon dominants. Et juste, je crois que j'ai pas réussi à battre la type combat de la Team Star. Parce que elle était forte quand même. Et pareil, évidemment, comme beaucoup de gens, la première quête que j'ai rushée, c'est la quête de Pepper, de Pépé, entre nous. Putain, avec son atrocité de Pikachu, là, crève, sale bête, tu ne mérites pas de vivre. Ah, type Eli. Ah, c'est un type son. A priori, ça m'étonnerait que ce soit un type dragon, ce truc. Oh, lame d'air, tu me fais plaisir, Sora. Pequeño. C'est quoi, c'est le type piment là? Bah on a vu son évolution tout à l'heure, très sympa son évolution. Je sais pas si t'étais déjà là quand on a vu l'évolution de lui, bah type feu plante évidemment. Clairement bien mieux que Scoville. Hein. Et le Pokémon s'appelle Scoville d'ailleurs dans le jeu. Non, moi en moins de 3 jours j'avais fini l'histoire plus Dex A. Bon, moi, pour le coup, vu que j'ai streamé le jeu, j'ai fait des gros streams sur le jeu, mais je l'ai pas rushé non plus. Et les DLC, pareil, en moins de 3 jours. Ah bah, moi, c'était un stream par semaine. Un stream de 2h30 à 3h par semaine. Et j'ai... Je crois que j'ai 18 streams sur les DLC, les deux DLC. Après, en comptant l'attente de du deuxième DLC, et évidemment le fait de remplir le Pokédex... Est-ce que j'ai fait une... Je crois que j'ai juste fait une chasse sur le deuxième DLC où j'ai chassé le Goupix d'Alola. Je crois que c'est tout. Oh. Putain, mais du coup j'étais en Nuzlocke sur les DLC, parce que j'étais pas en Nuzlocke sur Pokémon Écarlate. Mais sur les DLC j'étais en Nuzlocke et je pense que c'est pour ça que j'ai autant apprécié le jeu. Parce que du coup j'ai joué des Pokémon, j'ai fait des stratégies que j'aurais pas fait habituellement. Et sur le deuxième DLC, mes grandes stars, ingénieurs, mon Pondra Lugon, Kyubi, mon Fenard d'Alola, et sans oublier Nessie, mon Loclas. Et re-Arthur. Après, je connaissais le truc et tout, donc Asoul. Asoul? On est en France ici, monsieur. Je sais pas ce que ça veut dire. Tu sais, j'ai toujours plaisir à te voir et à me battre avec toi. Je dois vraiment y aller, cependant. À bientôt! Ah oui, c'est vraiment frile, quoi. Bon, d'accord. J'imagine que je dois prendre ça. Je me rappelle t'avoir aidé pour le Dex du premier DLC. C'était il y a longtemps, Arthur. Peut-être. Je suis désolé. J'ai oublié. Non, je sais juste que c'est... J'ai fini le deuxième Pokédex. J'ai fini le deuxième Pokédex grâce à un random avec qui on faisait des échanges sur internet. Et sans faire exprès, en fait, fallait mettre un certain code. Genre si tu mettais, je sais pas, 5X. Ah oui, c'est si tu mettais le numéro de Pokédex national de ton Pokémon et derrière de celui que tu veux. C'était le code de la room. Et donc normalement, j'étais censé avoir un Porygon Z. Non, Porygon 2 et Porygon Z derrière. Et au final, je me suis trompé, j'ai mis un Rhinophéros. Et le mec, il m'a fait mon échange pour avoir un Rhinastock.
Et derrière, en fait, on a fait... je pense qu'il a compris que, évidemment, comme lui, je voulais remplir le Pokédex. Et du coup, bah derrière, j'ai pu faire toutes mes évolutions par échange. Et après, je crois les derniers derrière, soit c'était un viewer qui m'a aidé, soit c'était par échange. Il est un peu nié, le mec. Choto, Ideska, Ikewa, Tokodeska. Il s'appelle Koichi. Est-ce que ça va parler de tes langues? Alors, ce gars, sur toutes les publicités, elle célèbre Wallace Dali, hein, d'où je viens, les gens ne parlent que de lui ces derniers temps. Mais c'est quoi cet endroit? Est-ce qu'il faut vraiment que je sois là, par contre? Parce que je sais pas. Je pense que je vais faire tout ce bâtiment-là jusqu'à ce que je sache où aller. Et après, je m'arrêterai. J'attrape le salon forêt qui a avalé, volé ma valise. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Kai, cette cuisine orientale est vraiment mauvaise, tu es d'accord avec moi? Non. Je ne sais pas ce que tu lui trouves de si spécial. Tiens, de l'eau fraîche. Énervé, le monsieur. Je n'aime pas les Asiatiques. Shop. Timothy, bonjour. En plus, ça coûte que dalle. Ah, tu peux les acheter quand on a un exemplaire. Ouais, bon. Tout est inutile. Ah. Quoi, il y a des dresseurs ici? Tu me donnes? C'est une banne. Je veux dire, c'est une blague et une vanne à la fois. Oh, mais toi, tu t'inspires du Espico. Ouais, mais tu vois, avec l'arène, j'avais encore une avance de malade. Hein. Malheureusement... C'est dommage. Ouais, faut vraiment que j'esquive tous les dresseurs. Hein. Mais je le saurai pour la prochaine fois. Dès que je peux, j'esquive les dresseurs. Parce que j'ai trop d'XP. Mais tu dis ça, c'est juste parce que tu te bats avec un seul Pokémon. Ce Squinch. Bon, ce truc-là, il est type glace. Mais je sais pas ce qu'il peut être d'autre. Le Yeti Skier. Eh, hey, tu sais, je suis les level 54. Ouais, en plus, c'est un combat pas obligatoire. Ouais, regarde, ma team, elle est level 50 déjà. Même Sora, qui était level 40, il a rattrapé tout son retard. Ouais, allez, au cas où. Est-ce que j'avais déjà des repousses? Ah oui. Ah oui, les repousses, quel plaisir. Combat peut-être. Ouais, c'est vrai que j'irai combat aussi. En vrai, tant que j'y suis. Pouette, 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 pouette. Lui, je lui ai déjà parlé. Je peux aller en haut à droite? Non, j'ai cru. Ah oui. Et si tu remarques tes farcentes, si rire te rapport. Oh, le mien, où ce mignon? C'est quoi ça? Oh, mais t'es mes amis! Hein. Mais c'était évident que c'était un dresseur, mais je suis con. Bon, pire, ça nous donne une CT. Hipster Lana. Oh! Lana, c'était le nom de mon Emelios. C'était le nom de mon Emelios dans mon Soul Link Random Nuzlocke. Sur Pokémon Ultra Soleil avec un pote. L'un de mes... Je crois que c'était ma deuxième capture, Lana. Et c'est une Emelios que j'ai gardée en vie du début à la fin. Elle a survécu au Soul Link. Pas qu'au Nuzlocke, au Soul Link. J'ai eu de la chance. Oh, putain, mon Soul Link, ouais, à la fin, là, j'ai chopé des dingueries. J'ai chopé un Kyurem blanc avec Coloforce. Ah merde, attends. J'ai eu un Dratak qui avait le talent de Mega Rayquaza. Ah, on a juste des spécialités de... Ouais. Pff, on s'en fout un peu. Peut-être le cookie, à la limite. Attends, mais la glace fait pareil, non?
Allez, on va en prendre une vingtaine au cas où. J'aime bien la musique de fond. Mais il y a beaucoup de musique originale, mais celle-là, elle me dit rien. Bah du coup, on va aller à gauche. Pas des dresseurs, s'il vous plaît. Mouchoir soie. Oh. Ça peut être intéressant. J'ai peur que ce soit un dresseur. Ah, c'est la douane, non? Ah non. Oh, toi! Toi, tu es suspect. Alors, est-ce que c'est ici que je dois aller? Voulez-vous récupérer vos bagages? Hôtesse. Ah, c'est la douane, ça, je reconnais. Exit. Ah, je venais de là? Je suis sur l'aéro... Putain, c'est pas un dresseur, lui. Putain, la musique. Oh là, suspect ça. Ça c'est dresseur. Où est-ce que je dois aller? Je l'ai vu. Bon, électrique. Obviously. Qu'est-ce qu'il peut être? Oh, glace électrique! Oh, on n'a jamais eu de glace électrique en plus. Ah si, on a le fossile. On a l'erreur de la nature. Comment il s'appelle, Galvagon? Ou c'est son nom anglais, je sais jamais. Ah mais la Dracodens Dracogriffe, mais je vais tellement la spammer. Et Kyurem noir. Non. Je crois pas. Non, non, je crois que Kyurem blanc et noir, il garde son type glace. À vérifier. Alors, Kyurem noir... Dragon glace. C'est pas ça. Les Pokémon sauvages apparaîtront plus fréquemment si vous pourrez dans les hautes herbes. Ah! Attends, l'aéroport ne sert à rien? Sérieusement? Ok, c'était juste une transition. Ok, je m'y attendais pas. Ah bah là, je suis officiellement sur la suite. Alors, je suis comment en termes de vie? Compliqué. Bah écoute, pour finir ce stream, on va faire une petite capture. Oh. Oh, ça pue le dresseur ici. Alors, Pocket Zone. Oh. Oh. Quel dommage. En vrai, quel dommage. Mais j'ai déjà un type feu, je m'en branle. Il y a Motisma. Ah, Motisma, oui. Ça, c'est possible. Ça, j'y crois. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir d'autre? Liste et flotte. Oh, le retour de Wiiroo! Incroyable. Ça fait longtemps qu'on a vu Wiiroo. Bah, je crois qu'il était en vacances. Mustéflotte, ah bah sur... c'était sur Pokémon Empyrean, où j'avais un Mustéflotte que j'ai appelé Wiiroo, qui est l'un de mes viewers qui vient très souvent. Et je jouais Détrempage Toxique Abri. Détrempage comme ça, même les types poison et acier, je pouvais les empoisonner. Et vrai, évidemment, bah Toxique Abri... Ah, j'imagine que là, va falloir que je débloque... Surf. Vous devriez trouver un moyen de traverser ce ruisseau. Hors de mon chemin! Boum! Archiduc! Tu es mon précieux. Oh, c'est mon archiduc. Regarde. Moi, je l'aime bien, là. Ah là, archiduc. Oh, j'adore Brindibou et archiduc. Je les kiffe, ces Pokémon. Vraiment, j'étais tellement content de jouer Archiduc sur Pokémon Unite. Motisma Frigo qui est électrique glace, non? Oui, oui, il est électrique glace, normalement. Il va pas bien, ce gosse. Ouais, non, mais lui... Ça va? Tu regardes devant toi? Hé, hey, regarde où tu vas, espèce de... Attends, qu'est-ce qu'un citoyen fait ici? Et peut-être que je peux travailler avec lui pour contrarier papa.
Vous êtes perdu, monsieur. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme? Putain, il est 1h23 quand même. Putain, je me suis rendu compte, j'ai lancé tard le stream. Oh, compris. Donc vous devez traverser ce ruisseau pour aller à Dorado Village, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh bien, il se trouve que j'ai un ami ici. Je pense qu'il pourrait vous aider. Mais vous savez, il déteste les bobiettes et ne les aidera jamais. Si tu me prouves que tu n'en as pas une avec un combat, peut-être qu'il t'aidera, qu'en dis-tu? D'accord. Vas-y, Archiduc. Oh, Archiduc. Il s'appelle Petit Garçon. Oh, Archiduc. Edwidge. Oula, par contre, j'ai plus de vie, moi. Oh, le bâtard. Oh, ça va. Et Archiduc est lent. Bon, je pense pas qu'il me dépasse. Eh oui. Eh oui, oui. Détruis-le! Sale gosse. Mon dernier cours, je ne veux pas mourir. Qu'est-ce qui vous fait dire que je veux mourir? Ouch! Ouch! Tout va bien, Archiduc! Wahoo! Duc! Très bien de lui faire garder le silence. Mince, t'aurais pu dire plus tôt que tu étais aussi fort. Je t'ai promis que je t'appellerais mon ami, donc. Ah, c'est la CS Vol, Gatueur. Oh! Donc la CS Surf du jeu, c'est un alligator shiny! Ah, c'est pour ça, parce que dans le jeu, tu as des codes mystères, des cadeaux mystères, et tu peux avoir un Caïminus shiny. Qui ne t'écoute pas, d'ailleurs, donc j'ai arrêté de le jouer pour cette raison. Parce qu'en Nuzlocke, bah voilà, il est tombé KO parce qu'il m'a pas écouté peut-être 3 fois de suite. Mais du coup, il vient de là. Voici Alligator, un des nombreux amis que je me suis fait dans la Cluster Jungle. Il t'emmènera à Dorado. Tu sais, il peut paraître assez agressif, mais au fond, ça, gentil. Avec sa façon d'agir, franchir les rapides sera un jeu d'enfant. Ah, j'ai failli oublier la chose la plus importante. Chaque fois que tu auras besoin de son aide, tu pourras utiliser ce panneau spécial pour l'appeler. Je dois me dépêcher. Alligator, prends bien soin de lui, d'accord? D'accord. Il a parlé. Allez, Archiduc, on y va. Eh ben nickel. Ah, et je suis Ruta en fait. Qui sait s'il le rencontrera à nouveau. Ouais, bon, je pense pas qu'il... Bon, logiquement, c'est pas un champion d'arène, vu que l'arène plante et spectre, je les ai déjà fait. Eh ben écoute, je vais me soigner et je vais m'arrêter maintenant. Eh ben écoutez, je reprends plus qu'espoir. Parce que chaque stream en fait, sur ce jeu, et je le vois au nom des VOD, à chaque fois, il y a une avancée de mon état quand je joue à Pokémon Xenoverse. Je vais juste regarder le nom des VOD pour voir l'évolution que j'ai eue sur le jeu. Alors, VOD numéro 1. C'est déjà très chaud. Peut-être parce que j'ai eu 3 KO en un combat, alors que c'était le premier stream. Deuxième stream, le jeu se fout de ma gueule. Troisième stream, je vis un massacre, où j'ai affronté le Ectoplasma X. Quatrième, j'abandonne le Nuzlocke. Cinquième, je reprends espoir. Et là, aujourd'hui, c'est « Je me suis réconcilié avec le jeu ». Très probablement, ça sera le nom de la VOD. Eh ben écoutez, demain, il y a des chances que je ne stream pas. Mais si je stream, vu que bah, tout mon programme de cet été, j'ai pu le réaliser, eh bien demain, nous allons enfin faire le basket de Switch Sport. Et peut-être que je ferai rien d'autre derrière. Sinon, je jouerai, si j'ai le temps, au jeu Super NES Championship, World Championship, truc, voilà. Donc ça sera après le pastèque évidemment de Switch Sport. Et puis voilà. Donc je ne sais pas quand est-ce que je lancerai parce que bah, j'ai des choses à faire. Donc si je stream, ça sera... Si je fais que du Switch Sport, ça sera un stream d'à peine 1 heure, je pense. Donc on verra selon l'heure à laquelle je lance. Et bah écoutez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette VOD et ce stream, Tintin et Arthur. Merci d'avoir été là, d'avoir participé. Dans le chat, c'était un immense plaisir de vous avoir avec moi. Et écoutité, je vous dis bien évidemment la prochaine pour un prochain streaming. Ciao, à plus tard, de rien.
Allez, bonne nuit.